Chers amis, comment nous y est, m'ap salue tout le monde, m'ap salue tout les amis, tout les camarades, tout les collègues, tout les frères, et tout le monde qui branché. Tant pis, moi, de nous pour nous chier à la bon, parce que normalement, je dis, on a fait un travail et extrêmement important, et moi, invitez-nous pour nous chier à la pour moi, surtout sur... Victor, Zami Pam, comment est Anthony Charles, bon bagay. M'a salué ti monsieur Paris yo sou live la. Ou il gen Zami Pam, Franzi. Chè live la pour moi parce que jodi a la, m'bral traiter un dossier qui est extrêmement important. Et m'invitez-nous, bien entendu, chè live la pour moi sur réseaux sociaux. Si monsieur bat bravo yo, cher live la sou bat bravo pour moi, m'invite nous, m'ap salue tout le monde, tout le monde. M'ap salue John Marvin Colem, qui est côté l'IA, et Canada, m'ap salue compatriote Lolo, m'ap salue Jude Célestin, m'ap salue aussi et tout type jeune femme, jeune garçon, et bat bravo pour la jeunesse. Femme dit nous que depuis le que l'initiative ça a commencé, et il y a des jeunes garçons et des jeunes femmes, bien entendu, qui qualifient tête d'intellectuels et qui entrent dans la dynamique pour voir comment pour camper en face du mouvement. Ça. Bien entendu, ce n'est pas un bagage qui est aussi facile. Il n'est pas aussi facile parce que je dis, jeunesse l'a réveillé, jeunesse l'a pas dormi. Je salue Créteil 94, Val-de-Marne, Paris. Ti monsieur Paris, mieux. Obran, ti monsieur Paris Mio, ti monsieur Paris 1, Panthéon Sorbonne Mio, ti monsieur Paris 12, Paris 8. M salue nous, salutations pour nous. Et m'ap salue un grand femme sous bala la, sous chak la la. M'ap salue et Ketli. M'ap salue Keti, excellent. Obran, bon bagay, ka bataille sérieux, ka fon bataille Canada tout. M'ap salue Bijou tout. Bijou, Fister Bijou. Bon bagay, son camarade qui extrêmement dévoué dans bataille là. So, m'ap salue tout ti monsieur dame yo ki sou réseaux sociaux, kap encourage mouvement bat bravo pour la jeunesse là. Il est vrai que gen des tractations k'a fait, gen des déviations et des diffamations, gen des complots k'a fait pour porter atteinte avec intégrité mouvement jeunesse là, pour porter atteinte avec intégrité, crédibilité ti monsieur k'a travaille là. Mais n'ap di yo que nous pa pè, nous te gete konn ça. Nous connaît que journée jodi un travail là, c'est pas li bon travail facile. Il n'y a pas un travail qui est simple, il n'y a pas un travail qui est facile, parce qu'il demande un pile courage moral, il demande un pile force, un pile caractère, un pile colonne vertébrale pour qu'on ait campé dans la bataille. Parce que grand pile off qu'a fait M. 93 représenté, et Ivry, et M. 94, 95, et M. Sarcelio, Saint-Denis. Si monsieur Parimio, nous connaissons mais nous en pile m'a salué nous depuis New York. Et femme dit nous tout que journée aujourd'hui, li important pour nous clair et m'inviter nous encore une fois de plus pour nous chier là parce que là ça me va faire extrêmement important. Et après plusieurs considérations et plusieurs entretiens que m'ai gagné avec des camarades et des collègues, des hommes que je tiens et beaucoup à cœur, que nous considérons avec beaucoup d'estime. Et il est avéré qu'aujourd'hui, on va l'adopter en posture. Il est vrai que, normalement, m'a dit ça pour nous, que question vulgarité qu'on a fait, profanation, et qu'on a fait avec le choix langage qu'on a fait, c'est parce qu'on a utilisé une stratégie de communication pour être capable, bien entendu, d'inciter le peuple haïtien à rendre ni compte dans qui degré, dans qui état que vous rivez mes têtes. So, m'a salué tout jeune garçon bat bravo au Cap. Yo, m'a salué tout jeune garçon bat bravo et dans le département Latibonite, tout jeune garçon bat bravo qui dans Chili, qui dans diaspora, qui Saint-Domingue, qui Canada, qui en France. M'a salué tout jeune garçon et jeune femme qui qui dans bat bravo qui tout partout dans 9 départements dans pays d'Haïti. M'a salué nous pas oublier bataille la pas facile. Tout d'abord, m'a dit nous bataille la pas facile parce qu'il demande plus courage, il demande détermination, il demande volonté, il demande caractère tout. So basically et travail ça m'va faire aujourd'hui là, c'est pas un travail qui simple.
son travail qui m'a dit qui prend à peu près 2 ou 3 jours pour m'arriver à travailler ça. La raison qui fait ça, c'est parce que, bien entendu, il m'a fallu beaucoup de temps pour me faire des recherches approfondies parce que question que je vais soulever, problématique que je vais aborder là, c'est la problématique de la constatation, bien entendu, de la fin du mandat du premier de Jovenel Moïse. Il est vrai que pour nous autres, au niveau de Bat Bravo pour la jeunesse, pas aucun doute que le président doit marcher pile sans gratitude le 7 février 2001. Mais cependant, pour des incrédules, pour des hommes à l'esprit têtu, qui est extrêmement têtu, nous obliger de temps en temps faire un travail de formation pour nous capables d'ouvrir compréhension, étendre l'intelligence, de façon à ce que nous arriver à appréhender. Bien entendu, il n'y a pas besoin d'une culture juridique énorme qui avance, il n'y a pas besoin d'être des experts en la matière. Cependant, avec quelques notions élémentaires en droit, surtout en droit constitutionnel, bien entendu, à partir de travail, analyse juridique, ça va le faire. Il faut qu'il y ait au moins une idée pour comprendre ce qu'a fait là. Vous comprenez ça, m'a dit, so basically, et une fois de plus, me retourner saluer nous. Mes amis, cher live là pour moi, n'en pas le jeu, parce que, et je ne vais pas commencer live ça, parce que live là est extrêmement important. Son live, je ne vous dis qui est extrêmement important. Et tout d'abord, m'a dit nous que je vais l'abstenir de questions et profanité. Et de profanité, je ne vais pas prononcer. Cependant, je vais aller extrêmement sévère, extrêmement dur par rapport avec, bien entendu, élaboration, tout autant je vais élaborer avec position moins et problématique que je vais soulever, je ne vous dis. Avant de commencer, et je vais commencer par une lecture pour nous. Je vais commencer par une lecture. Une lecture qui est extrêmement importante et demandez-nous en pile pour nous prêter attention. Parce que nous sommes capables de constater qu'un contexte, jeudi, que un pile monde pas prêter attention à elle. Contexte nous gagne jeudi, c'est que en Haïti actuellement là, régime PHTK fait face à un contexte. Premier élément dans le contexte ça, c'est crise sanitaire là avec question coronavirus là. Gestion coronavirus là. Maintenant, ça, c'est contexte, hein? C'est-à-dire, en premier lieu, santé population haïtienne, non, les menacés. Maintenant, bon, question gestion qui fait de coronavirus, non? Mon cher, il y a un problème qui pose. Il y a des questions qui ont soulevé par rapport avec autant quantité de l'argent qui dépensait dans caisse l'État et mauvaise gestion, bien entendu, qui fait au niveau de l'État par rapport avec gestion. Catastrophe, ça, qui c'est coronavirus. Non. Maintenant, on a l'autre problème dans le contexte, ça encore. C'est problématique qui a un rapport avec éventuelle élection, organisation des élections, que ce soit présidentielle, législative, dans le pays d'Haïti. Nous, on a que priorité président de la République, ce n'est pas forcément la santé de la population. La preuve en est que, journée aujourd'hui, hein, le constat est fait que, malgré. Ils ont pris des mesures drastiques pour empêcher que la population, bien entendu, pas exposée avec le coronavirus. Non? Nous gardons, bien entendu, un ensemble de vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, qui ont exposé, bien entendu, une série de bureaux ONI qui ouvrent, côté que toute population haïtienne non? A campé en ligne pour y aller faire 4 électorales, pour y aller faire 4 d'identité, parce que. Gagne un marché pressé, régime n'a gagné, PHTK gagné pour organiser élection en dedans pays, au point que yon prêt pour exposer vie population, santé population, pour yon arriver satisfait des déshydratation. C'est-à-dire que, en matière de priorité, c'est pas la santé de la population qui priorité régime PHTK, mais c'est arriver, faire élection, organiser élection qui priorité. Et pour Jovenel Moïse, bien entendu, arriver à fin ça, qui ça, monsieur, fait, mandater le ministre des Affaires étrangères. Écoutez bien ce que je vais, ça va me dire là, mes chers amis. Monsieur Bayin, ministre des Affaires étrangères, là, en feuille de route. Feuille de route, ça, il consiste, bien entendu, pour ministre des Affaires étrangères, là, transformer le ministère des Affaires étrangères en véritable outil, instrument de propagande.
pour faire propagande auprès non seulement des autorités étrangères, c'est-à-dire les pays que chef mission yo gagné et installé l'autre bord dans l'autre pays, mais aussi auprès des instances internationales, par exemple tant que l'ONU, tant que OEA. Maintenant, nous sommes capables, bien entendu, il y a des lettres qui ont circulé, des lettres officielles, que le ministre des Affaires étrangères a largué, côté que lui demandait, bien entendu, au chef de mission pour faire une campagne auprès des autorités côté établi, pour être capable d'assurer la légitimité président par rapport avec la durée du mandat et du président de la République. Maintenant, le problème qui se pose, en plus, nous avons posé cette question. Comment un jeune garçon tant que Claude Joseph, bien entendu, qui a un doctorat dans même, rive journée aujourd'hui pour tomber dans situation ça, côté que la met tête au service de Jovenel Moïse pour tourner, pour transformer ministère affaires étrangères en tant qu'un instrument de propagande pour faire propagande pour le président de la République. Maintenant ça a grand pile monde qui pas connaît moi-même. Beaucoup de pas m'te geta koné, au contraire m'te avec nous sur le type pour m'te dit nous qui genre d'individu que monsieur y est, et l'important pour nous koné avec qui est-ce que n'a dit le jour aujourd'hui. Et yon non raison qui fait m'aborder des problèmes, ça c'est parce que gagnon note qui a publié sur Facebook, d'un côté que monsieur mette, li fait koné que li fait réunion, non seulement li fait réunion. Du haut niveau de réunion, vous parlez de gros réunion qui fait avec le secrétaire et général l'ONU. Hein? Mais monsieur parle aussi de gros réunion qui fait avec le corps groupe. Mes chers amis, il est extrêmement important pour nous mettre l'accent sur la question. Le ministre des Affaires étrangères qui campe, il dit comme ça que il y a des réunions de haut niveau qu'il fait avec corps groupe en dedans pays. Faut me dire nous tout, m'a rappelé pour nous tout qui l'a attendu, mes amis chers là pour moi que corps groupe mes chers amis, c'est seul dans pays d'Haïti que syndicat ça existé. Syndicat jeune jodi a nous tande yo les corps groupe là. C'est seul en dedans pays d'Haïti que bêtise ça fait. Il pas fait même voisin nous Saint-Domingue. Même Saint-Domingue qui c'est voisin nous, pas gagne aucune et corps diplomatique qui a mis tête yon ensemble pour former un corps groupe contre intérêt nation pays d'Haïti. Mais problème non, mais notre situation nous est aujourd'hui. Or, le ministre des Affaires étrangères, en l'occurrence, Dr. Claude Joseph, de audacité pour la faire publicité. Mais quand même, mes problèmes, confronté, oui. Monsieur pour adopter une posture contre que la faire publicité. Yon bagay pou on est supposé honte pour lui. Il t'a supposé cacher un bagay comme ça. Si monsieur t'a parlé de un bagay comme ça, son bagay il t'a supposé cacher. En tant que yon premier on ministre des Affaires étrangères pour trouver fierté ou pour trouver fierté du fait que on a parlé avec corps groupe qui sont groupe mafia, qui sont groupe vicieux, qui sont groupe gang, qui sont groupe qui mettent tête ensemble pour kembe pays pour tout pizi. Peuple haïtien. Et puis, monsieur, je ne fierté dans ça. Eh bien, mes chers amis, je dois vous dire que l'amte oué note ça, l'esprit m'te antigen vraiment bouleversé. Il est vrai que m'te gen position, toujours gen position sur individu, hein, sur un individu que m'te trouve extrêmement dangereux depuis quelques temps, parce que j'ai eu l'opportunité pour m'te côtoyer le type, pour m'te fréquenter le type, même sur le plan académique, mais aussi dans la question lutte, m'te côtoyer le type, mais je savais pas à quel niveau le type t'es vraiment arrivé dans la dimension corrompue ça. C'est-à-dire que m'vi trouver dans une situation extrêmement ambiguë, de la mesure où m'doué poser cette même question, est-ce que c'est le modèle? C'est modèle d'homme ça que nous jeunesse ça que nous supposons proposer peuple haïtien jeunesse qui va venir. Maintenant c'était là la question fondamentale que me t'ai confronté. Est-ce que c'est le modèle compte tenu du fait que il est en possession d'un doctorat dans une grande université prestigieuse aux États-Unis? Il s'avérait que journée aujourd'hui, si m'ta gagnon mon jeune garçon que m'ta proposé à la société haïtienne et à la jeunesse haïtienne en particulier, et le premier monde que m'a parlé avec pour m'a proposé, c'était Claude Joseph, considéré bien entendu que le type, il a fait des efforts énormes sur le plan académique,
côté que pour l'arriver et obtenir un doctorat. Il y a nos générations, nous ne sommes pas beaucoup, bien entendu, arrivés à achievement ça, à accomplissement ça. Bien sûr, c'est quelque chose, Louis Abassoual a salué. Mais cependant, il y a un problème fondamental qui pose. C'est que nous devons commencer à détecter la carrière individuelle, une sorte de carence en matière de moralité. Tu as un déficit moral et de conviction la caractère plan même. C'est-à-dire le comportement de l'individu, en dépit bien entendu de l'espoir académique, l'achievement académique, mais sur le plan du jugement, c'est-à-dire capacité le monsieur gagne pour discerner une série de problèmes, nous trouvons que monsieur a un gros problème sérieux pour te appréhender, pour te capable de prendre des reculs par rapport à une série de situations, et puis pour te positionner li par rapport avec une série de problèmes. Et ça pral, bien entendu, ça pral révéler clair au fur et à mesure que m'a fait constat moi, tout le monde pral rendre compte que le type était beaucoup plus dangereux que cela. Maintenant, il y a moun ki doit trouver que ça m'a dit extrêmement bizarre. Il y a une première lettre qui sortit. Il y a un article qui sorti, ma venu là. Dans l'article ça, mes chers amis, m'a dit nous dans l'article ça, il sorti, il publié dans Le Patriote. Le Patriote publie l'article ça, qui ça le dit? Dans l'article ça, Le Patriote savonné, monsieur. Le Patriote savonné, monsieur, auteur article là, l'intitulé article là, la lettre du ministère des Affaires étrangères, un déroulé d'apocryphe à la fois asémantique, sinoque et dangereux. Ça, c'est le titre, bien entendu, de l'article qui était publié le 1er juin 2020 par rapport à la lettre que monsieur était publié, une lettre ministère Affaires étrangères là était publié. Faut me dire nous que si on regarde vérifier article ça, c'est Salambé auteur article Salambé et ministre Affaires étrangères là. Au contraire de Salambé, li salmissier, li fini à missile, li promissier le voye l'en l'el pas attrape monsieur men. Maintenant, femme dit nous tout, pour m'ka vini avec question souveraineté avec nous, parce que y a moun qui toujours pense que les m'a parlé de souveraineté, yon pense que c'est yon baye sep m'a dit. M'a dit nous bien pour nous comprendre. Mais même moi te pense que, c'est celle, nous même jeune garçon, jeune femme, qui te constaté dans qui de état monsieur te tombé dans saloperie, dans qui état Claude descend dans au niveau. Il s'avérait que même le PHTK a des problèmes avec éléments. N'a pas des problèmes avec Claude Joseph parce que ont trouvé que comportement monsieur bon comportement très la love. Yo comportement pas comprendre monsieur bon comportement serpent. Yo pas comme qui côté monsieur campé tellement monsieur flexible. Et la preuve en est, gagne un nan qui pas jamais ménage bouche li que yo les lolo loquet. Jojo loquet. Jojo loquet nan chaud là. Mes amis chers live là pour moi parce que c'est pas le pété. Jojo loquet nan chaud là. Monsieur font déclaration sous Claude Joseph. Et c'est un nan bagaille moi-même, jeune garçon. Si nèg PHTK ou ta permettre moi ministre affaires étrangères pour font déclaration comme ça. Moi-même normalement moi-même avec caractère comme moi pas je mette tête dans situation comme ça. Moi, ma proposition m'la complètement contre monsieur, ma proposition m'la complètement directement. Mes amis, t'en fait nous tendez. M'a fait nous tendez. Qui sa Jojo Loquet, Jean-Jojo Loquet, qui sa Jojo Loquet traité monsieur de jeune homme ça, Claude Joseph. Tendez. Kabata ke ministre touriste m'a pris font ti rôle dans Zouli. Parce que je dis en là, ministre touriste pas ka fan rien, c'est pas fautio, c'est à cause de Jean situation, pays, le mondier. Et par un voyage, par un touriste qui entre en quel côté, un paquet de bagages qui ne peut pas fonctionner. Ce touriste dans tout le pays, je dis là, son gros problème. Soit pas les deux anciens ministres touristes, les bagages là, t'es là. Je dis à ce grand ministre, je ne sais pas pourquoi il a été remplacé. C'est le ministre des Affaires étrangères là, parce que je crois que nous avons un nouveau ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas pourquoi ça nous gagne. Parce que ça me dégage avant bullshit là, ton écrase, moi, mon ministre. Ça, c'est ton ministre des Affaires étrangères. Bouchit, oh, je me senti comme des gros ministres étrangers. Je dis à la ministre étrangère, même qu'on est ça, ministre étrangère, non? Même senti rien, non? Ma senti le même, vu bouchit tout le temps.
bokchit sa, bokchit ya ya, et mon bokchit, oui mon bokchit ça c'est un bail sérieux mon cher. Ça son ministre affaires étrangères mon cher, ça son bail sérieux man. Quête man, gardons le ministre, t'as qu'il a perdu. Il y a rien bon bail là, mais il a quitté bon bail là, il prend un blé. Eh ben, on a les non. En tout cas, Mabdou, merci pour l'appel. Oui, famille, en deux bits. Gardez vous là, en fait, dans nos conditions, c'est pour les points de sang là, dans mon moment là, c'est pour les deux à gérer. Ah mon cher. Vous êtes senti comme des affaires étrangères tout bon, hein. Ça oui, le secrétaire of state là, oui, m'te senti géré papa. M'te senti qu'on est représenté pays à vraiment. Je représente Haïti valablement dans les Nations Unies. Oui, laisse ça. M'se fait me sentir pour que m'te petit là où t'es parlé d'un ministre, ou senti qu'on ministre. Nèg la éduqué, nèg la formation, nèg la bon, nèg la qu'on s'en a fait, allez l'ouvert bouche, tout senti son ministre qui a parlé. Ou senti son est cap représenter pays vraiment. Très dynamique. Et puis yo qui yo révoqué monsieur, yo met ton pot patate plan plastique. Comment monsieur? Ah on va ça, ça non on pas. Dit politique là c'est bon. Ah on va ça mon cher, sinon fait pays. Pas respecter à bon côté pas. Mon cher président Michel Martin pour la première fois ça. Mes amis, est-ce que nous t'entendit? Qui est-ce nous penser qu'a parler là? Qu'a fond petit Claude comme ça? Jojo Loquet. Mais c'est mal dit non petit bagaille. Jojo Loquet, on est qui qu'on lit non? Qui qu'on lit bien non? Jojo Loquet, c'est pas on est qui qu'on lit bien. Jojo Loquet, c'est pas on est qui formé. Jojo Loquet, son actionnaire, son est qui qu'on comportement actionnaire, son raquette. Son raquette PHTK, monsieur. Monsieur, c'est on est comme si le matin, il a besoin de voyer à l'acheter de l'eau, le voyer Jojo Loquet à l'acheter de l'eau. Et ça, Jojo Loquet. Mais je ne dis pas, Jojo Loquet, il monte dans la radio, le côté de chaud. Les traités ministres affaires étrangères, Claude Joseph. Pas bien, Jojo Loquet. C'est bras droit. C'est bras droit Matéli. Bras droit PHTK. C'est raison, même raison. Les traités ministres affaires étrangères de Popatat. Les traités ministres affaires étrangères de Ramblay. Les dit son honte nationale. Pour yon changer, pour yon retirer bon shit. Et être mon bon shit, pour yon remplacer par yon Ramblay comme ça qui c'est Claude Joseph. Pour yon remplacer. Pas yon pot patate comme ça qui c'est Claude Joseph. Mais est-ce que yon jeune garçon, maintenant mes amis, dim, nous même j'en dis yon an bat bravo pour la jeunesse, est-ce que nous pas gen droit fier de tête nous en dedans bat bravo pour la jeunesse? Est-ce que nous pas gen droit fier de tête nous d'un jeune garçon ton coup mauvais, qui n'y caractère personnalité, qui pas percampé pour la dénoncer les vagabonds, les gangsters de la République? Est-ce que nous pas fier de tête nous? Nous pas bat bravo pour tête nous? Là nous des jeunes garçons, tant que Lolo, compatriote Lolo, tant que Jude, tant que Nexo, qui campé pour bataille sur les réseaux sociaux, qui pas prêt pour bénover, pour ramper. Écoutez, malgré Nexo pas gagné, malgré Nexo pas gagné un niveau académique qui est élevé, malgré Nexo pas gagné un niveau académique où t'as dit comme si t'as gagné un doctorat, Nexo fait des études, Nexo formé, Nexo se prend de l'or, Nexo a parlé, ou si on est au moins qui a un minimum d'éducation. Formel. Mais où est-ce qu'il y a un caractère en plus de ça? Je veux dire qu'il y a des bagages qui n'ont pas fait. Parce que prise de position n'est pas bat bravo pour la jeunesse, avec compatriote Lolo, avec petit monsieur et ça yo, ou est normalement, bien entendu, mes chers amis, il y a un caractère. Est-ce que le travail jeune ça a fait est comparable avec un travail que le ministre a fait trajet à un jeune garçon qui te joue aujourd'hui, un jour, Loquet? Reste avec Matéli, Jojo Loquet. Monsieur, nous avons des parents nous qui est manqué, si Claude Joseph Dega, Jojo Loquet dans Boston. Jojo Loquet, qui a traité ministre affaires étrangères, la traité si Claude Joseph de peau patate, de Ramblay. Comment? De Ramblay. Ou imaginez si Jojo Loquet monte sur radio, sur télévision, pour la traité ministre affaires étrangères de Ramblay, la traité ministre affaires étrangères de Popatat. Ou imagine tout reste nèg PHTK qui ça a pensé d'émissier. En pile nèg PHTK fait réunion sous domicile. Nèg yo fait réunion sous do ti Claude pour dire dans qui état missier son nèg qui sans caractère, yon nèg qui plat, yon nèg qui chien, yon ti sous yon vicieux, surtout les lettres, les yo te jwenn article monsieur te publié. Article qui était intitulé ils veulent le beurre ni l'argent du beurre. Monsieur était écrit un article comme ça quand il était fan de Mouda,
Monsieur PHTK, il traite nègre de insistir, il traite nègre de impudique, il traite nègre de saleté, il traite nègre de malpropreté, il bat nègre tout non qui te gagne. Et puis, journée jodi, il rampe pas en bas, là, il prend job dans le même régime PHTK, ça. Et yo tellement pas respecté, monsieur, yo utilisé, monsieur, pour monsieur faire propagande, pour yon bagay qui complètement, anticonstitutionnel. Yon bagay que journée jodi, tout le monde clair sous le mandat journal fini. 7 février 2021, mandat journal fini, pas de menti la donne, pas faire ou pas boire la donne. Et bien, mes chers amis, l'arrivé dans une situation qu'on soit un jeune garçon, qui ça nous-mêmes nous voulons proposer sur la société haïtienne? Jeunesse haïtienne, qui ça n'a proposé? Qui ça n'a proposé jeunesse haïtienne? Parce que vous êtes clair sous tête, nous, oui. Qui ça nous besoin proposer jeunesse haïtienne comme modèle? Est-ce que nous besoin proposer jeunesse haïtienne comme modèle des individus de Claude Joseph? Ou bien des hommes tant que Morvin, des individus tant que Jacqueline, tant que Luc Mandeline, ou bien des individus tant que compatriote Lolo. Est-ce que je ne dis pas bon bravo pour la jeunesse? Ce n'est pas alternative liée à la dégradation, non, ça n'a pas assisté, je ne dis pas dans la société haïtienne. Bien sûr, nous autres au niveau de bon bravo pour la jeunesse, nous sommes l'alternative. C'est nous-mêmes qui l'alternative, c'est nous-mêmes qui réponse. À dérive ça. Nous adoptons une posture non seulement de dénonciation pour mettre en évidence comportement malveillant que nous avons gagné dans la République, mais aussi nous faisons un travail de sensibilisation, de formation, de conscientisation de jeunesse pour nous faire comprendre jeunesse, pour nous faire jeunesse à espoir, pour nous faire comprendre que gain espoir toujours. Maintenant, pour bien comprendre la raison qui fait que Jovenel Moïse baille Claude vieux Jobsa pour la faire propagande auprès des instances internationales, tant que corps groupe, tant que l'OEA, pour demander des diplomates pour intervenir auprès des autorités, parce que gros problème de légitimité. Gros problème de légitimité parce que le peuple haïtien normalement a rejeté Jovenel Moïse. Le peuple haïtien a rejeté le régime PHTK. Le peuple haïtien dit clairement, il n'y a pas besoin, monsieur. Et c'est tout le problème dans ça. Le peuple haïtien a un gros problème de légitimité avec Jovenel Moïse. Raison que le peuple haïtien a un problème de légitimité avec Jovenel Moïse, parce que Jovenel Moïse n'a pas tenu ses promesses. Jovenel Moïse est un menteur au premier degré. Qui ça? Là pour un mandat, là pour un bon mandat. Là pour l'élection, le peuple haïtien vote au bon mandat. Le bon mandat, c'est sous promesse que tu fais, oui. Contenu mandat, là, c'est promesse. C'est pour réaliser. Yo vote pour 5 ans. C'est pour réaliser sur tes promesses qu'on t'a pas réalisé. Ah oui. Premièrement, font bagay caravane. Tout le monde connaît, c'est une façon de faire pour te faire gang PHTK nèg qui t'a avoyé riche. Parce que jounè jodi, caravane n'a pas bay. Caravane, ça a changement. Bay, ça n'a pas bay aucun résultat. Pas de monde qui t'a bay, qui t'a dit caravane, ça bay aucun résultat. Et pendant ce temps, gon masse l'argent qui dépense dans caravane. Nan. Deuxième bagarre où te promettre peuple là, c'était courant 24 sur 24. Ou tellement audacieux, Jovenel tellement audacieux, tellement mesdames, lui fait comprendre, l'elle connaît, l'elle ouais que c'est sous bluff, lui ouais peuple a découvert que son menteur lié, la bête peuple a menti, lui dit que c'est lui la gué dossier sous dos Sojourner. Lui dit que c'est Dimitri Vob dans Sojourner qui pas avlé peuple là gain courant 24 sur 24. Lui attaque Dimitri Vob, lui fait Dimitri Vob mal en payant. Qu'on y a sous EDH pour contrôle et VAE, guess what, mes chers amis? Qu'on y a peuple haïtien gain sa ouele. Il t'a dit le tape baïkou en 24 sur 24. Qu'on y a peuple haïtien jouné jodi a confronté à sa ouele blackout 24 sur 24. Peuple haïtien joué blackout 24 sur 24. Ça veut dire, nègla son nègle, il respire le baïman si. Tout ça le fait, c'est mensonge. Monsieur promet. Monsieur promet. Mouno cap, pourtant de. Et Mouno Kapounou, t'as marché des matéli, t'as couru des matéli, fait macaque, les carnavals, ceci, c'est là. Monsieur te promet Mouno Kap, yon fieri. Yon fieri côté que l'étape connecté et citadelle là pour permettre à ce que Mouno Kap monte pour faire touriste entre dans le pays. Jusqu'à ce qu'elle m'a parlé avec nous là, mal propre. Monsieur, bon comète, mais yon bon comète, un wash qui planté pour question fieri ça. Pour moutro, nan ki degré nèg la, mandat monsieur gen, pour mande ki sa monsieur gen, tellement monsieur menteur, tellement monsieur son nèg li respire, c'est mensonge li baymen.
Ça c'est troisième nan. Monsieur Campé nan figi tout moun. Li di mandat la pa doit fini pour le pas traîner nèg qui vole l'argent Petro-Caribe yo devant la justice. Tendez oui. Monsieur Campé devant peuple en général, la garde peuple haïtien en danger. Monsieur dit les bail tête li mission même nan mandat la, nan mandat peuple ça ban moyen. Hein. Avant mandat la fini, la traîné depuis ces nèg qui te gen meyo trempé. En dedans, mais au trempé, non question, l'argent Petro-Caribia. Monsieur dit ça. Monsieur dit ça clair. Devant tout le monde tendez, noir sur blanc. Jusqu'à maintenant, je parle à vous là, ou même cap gade m'la. Dis-moi seul grand monde que monsieur traîne devant la justice. Dis-moi seul grand monde, ne qui crase l'argent Petro-Caribia, que monsieur traîne devant l'État. Parce que pour quelle raison? Au contraire, comme ça, monsieur fait. Monsieur entraîne une dynamique de protection. La protéger gros oiseaux ça qui crase l'argent l'État, qui crase l'argent Petro-Caribia. Ou quand ça monsieur font encore, m'a dit nous bien. Là monsieur garde li ou question l'argent Petro-Caribia tout non bagage sérieux vrai. Gen nous pas dormi, gen nous pas complice, gen Petro Challenger, ti monsieur Damien jeunesse embrasse cause l'argent Petro-Caribia. Les rapports yo a sorti pour mettre bagage ça au dehors. Jeunesse la manifesté pour demander pour gain reddition des comptes qui fait par rapport avec l'argent Petro-Caribia. Comment ça monsieur fait? Monsieur fait infiltration en dedans mouvement jeunesse Petro Challenger pour écraser mouvement. Monsieur fait écraser mouvement. Monsieur roule jeunesse là dans farine. Li fait écraser mouvement. Li fait entrer et ti mesdames, ti messieurs dames nous pas dormi, yo le fait entrer autant qu'on faut l'argent. Li fait entrer ti messieurs nous pas complice autant qu'on faut l'argent. Tout jeune garçon, toute jeune femme qui t'a mobilisé pour mander reddition compte par rapport avec l'argent Petro-Caribia, monsieur infiltré et puis il te fait une promesse. Li dit que li va le faire, li va le bailler justice oui. Monsieur infiltré. Là il fin infiltré yo, li écraser mouvement dans ze. Jeune jodi an, ou pas dans de ni nous pas dormi ni nous pas complice yon pas ka mettre tête au dehors pour yo défendre cause. Et bien je ne jodi c'est ça qui vient permettre à ce que tout jeune garçon qui jeune femme qui déçu yo vienne retrouver yo au travers de mouvement bat bravo pour la jeunesse là. Pour quelle raison jeunesse jeune femme jeune garçon qui voyager nan bat bravo pour la jeunesse yo ouais bon différence majeure entre bat bravo pour la jeunesse avec structure ça yo. Li remarque que nèg bat bravo pour la jeunesse, yo gen plus grain nan dè, yo gen plus fesse nan testicule, yo gen plus conviction. Là nèg sa yo a campé a parler, yo pas serré, yo pas nan tête langue, yo pas gen boss, yo pas gen patron, yo pas gen pièce nèg politique ka vinn di yo non parler sous tel dossier, pas parler sous tel dossier. Ça veut dire que gon indépendance d'esprit que nèg yo gen au niveau de bat bravo pour la jeunesse que monsieur sa yo jeunesse haïtienne nan ti structure qui existe en Haïti yo moun yo pa ka retrouvé ou là-dedans yo jeunesse haïtienne nan pa ka retrouvé yo en dedans structure sa yo parce que structure sa yo comme si m'tadou vente yo trip yo zoteyo yo maré trois maré avec système nan avec ti monsieur traditionnel yo et c'est ça te fait m'te di nou ça m'gon lis moun m'a veillé là gon lis jeune garçon jeune femme que yo voyé là même yo gen mission lis jeune garçon jeune femme son dans l'intellectuel qui gen code lombrit yo maré avec monsieur sa yo qui gen code lombrit maré avec et monsieur politicien traditionnel sa yo yo nan tout confio loire yo nan tout réunion code lombrit yo maré kankou crab avec yo jeune garçon jeune femme intellectuel sa yo c'est yo que yo pral ba mission pour vinn entrer vinn infiltrer dans mouvement bat bravo pour la jeunesse pour yo ka vinn krasil mounen yo m'commencer mener enquête sur yo m'commencer à monter en liste là pour me diviser parce que t'aime dou bien jeune garçon sa yo. Yo pas trop content mouvement bat bravo pour la jeunesse. M'a parlé avec nous jodi avant d'entrer dans le sujet. Yo pas content pour plusieurs raisons. Premièrement, yo manque caractère, yo manque couille. Yo pas de conviction. Gen des dossiers ou pas manyen. Pour qui raison ou pas manyen dossier ça yo? Parce que yo connaît vote yo code lombrit yo maré avec nèg yo en bas. Parce que yo connaît sialement yon série de dossiers tant que dossier mort venap manyen dossier map manyen Jean vraiment à l'aise là pour me parler Jean monsieur ça va pas à l'aise pour parler ou jeune petit monsieur petit jeune garçon jeune femme ça en Haïti yo pas capable parler comme ça les nèg ça ou les monter dans radio ou bien pas conférence de presse yo pas gain couille yo pas gain grain yo pas gain conviction pour ça parce que problème qui gain c'est que yo gain trop acquaintance yo gain trop zami taille code nombre yo marre trop
avec et parti politique yo, avec groupement ça yo, on est dans politique dans trop secteur, on est dans politique là, yo vinn trouver nos situations, yo tellement gen dossier sous dos yo, yo pas ka faire travail ça. Et bien jour aujourd'hui jeunesse là vinn trouver la situation au yo aux abois, yo obligé tourner vers bat bravo pour la jeunesse. Et bien on dit on bagaille a dit oui bat bravo qui idéologie bat bravo pour la jeunesse, qui vision bat bravo pour la jeunesse, c'est une façon pour yo capable penser yo ka discréditer bat bravo pour la jeunesse. Bat bravo pour la jeunesse, faut comprendre bien mouvement ça l'idée pour la coucher ça, pour la coucher pas gain personne au monde qui ka empêcher la coucher ça, pour la coucher ya. Et nouvelle Haïti ça comme si vous voulez la pas coucher quand même. Et bien mes chers amis, t'aim dit nous bien pour les incrédules, on va l'entrer dans dossier ça avec nous. Pour les incrédules qui pensaient que Jovenel pas doit aller en 2021. Il est vrai que nous même nous autres nous clés sur ça. Moi faut une analyse juridique avec nous très simple, bagay élémentaire, on pas besoin un expert en droit constitutionnel ou bien en droit public pour font un minimum. Là nous pas l'attaquer problématique qui a rapport avec la souveraineté nationale. La souveraineté nationale est extrêmement importante dans la mesure où la moun qui gen qui détenteur de la souveraineté nationale, c'est le peuple haïtien. La constitution, il dit l'universalité des citoyens. C'est-à-dire, lors de l'universalité dans un langage juridique, il veut dire le peuple haïtien. Le peuple haïtien, c'est eux qui détenteur de ce qu'on appelle la souveraineté nationale. Maintenant, mon problème majeur qui posait jour et jour, c'est que la souveraineté nationale, il menaçait pour qui raison le menacer? Parce que normalement, le peuple haïtien exerçait souveraineté nationale ça par le vote. Le vote, c'est l'expression de la souveraineté nationale. Lorsque le peuple haïtien allait dans sa orelé suffrage universel, l'a voté, l'a fait sa orelé, l'a exercé un droit que constitution Bali, qui c'est le droit de suffrage universel, que lui-même en tant que souverain, l'a choisi qui est-ce qui pour représenter, qui est-ce qui pour faire loi pour lui, qui est-ce qui pour prendre décision non, qui est-ce qui pour parler non. Eh bien, mes chers amis, lorsque le peuple souverain, élu par voie électorale, au moyen des suffrages universels, représentant lui, que ce soit dans le Parlement, c'est-à-dire la Chambre des députés, et bien sûr le Sénat, et le président de la République, bien entendu, ni élection locale yo tout, que ça ou les kazek azek yo, les municipales, les maires, les mairies, les communes. Femme dit nous tout que, chers amis, lorsque le peuple haïtien allait pour faire ça, il exerçait souveraineté. Et m'a dit non ti bagay, pas oublier l'ordre du so ou même qui détenteur de souveraineté. Souveraineté ça ou baili pour yon durée. Parce qu'on pas bali définitif, parce que c'est où c'est peuple là qui gagne contrôle, c'est peuple là qui embelle, c'est peuple là qui met souveraineté là, c'est pour ça yo qualifier peuple là de peuple souverain, libre, li bay président, li bay sénateur yo, li bay député yo pour une durée de temps, c'est ce qu'on appelle le mandat politique, li bay yo sous pour une durée de temps le mandat, et durée de temps ça que le bay président c'est 5 ans. Constitution bail, constitution reconnaît li, et c'est 5 ans li. C'est le mandat présidentiel. 5 ans. Maintenant, si nous entrons en profondeur dans ça, dans l'analyse ça m'a fait là, il y a 3 articles que supposé qu'on est dans la constitution. 3 articles clés, fondamentales. 3 articles clés. Premier article là, c'est article 134, alinéa 2. Deuxième article là, c'est article 136 là. Et troisième article là, c'est article 149 alinéa 1. Pour qui raison vient avec bagage ça? M'bal dit non ti bagage bien. Majorité peuple haïtien, zanmim surtout moun ki sou Facebook, en pile moun remen là ou jeune garçon campé la fait là et il a dit bêtises. Et c'est un bagage moi remarqué. Là, on a dit bêtises, on a joué, on a fait ceci, on a fait cela. On a joué un monde, on a joué un haïtien envahi là. Tant qu'on voit, bagaille, ma sissi a fait, si monsieur ça a fait, il y aurait mes zins, parce que le peuple haïtien, en soi, nous avons une culture, nous avons mes zins. Mais on voit le peuple haïtien, du moment qu'on a fait un travail, qui a un niveau comme si,
niveau de connaissance qui est un élevé. Li difficile, oui, pour gen 3 moun ou 4 moun kap bagay, kap tando. Pour qui raison? Balbo, pour qui raison? Parce que yo kimbe peuple la nan fè noir. Yo habitué peuple la, yo lave peuple la avec zin. Yo lave peuple la avec tripotay. Haïtien normalement, yo pa reme bagay ki gen rapport avec connaissance. Yo reme bagay avec zin, bagay bouy vide. Et c'est ça te explique pour qui raison Mateli te vin président. Parce que peuple haïtien son peuple qui reme rabodage. C'est un peuple qui remet les bal carnaval pour la bou griller derrière faire pile détail. Et c'est ça t'expliquer qu'il faut ouais blondi. Ouais je n'en pile monde depuis c'est blondi qui monte là. Ouais je n'en pile haïtien jeune femme jeune garçon courir à l'amba blondi blondi. Ouais je n'en coup là je n'en jeune garçon t'en coup comment on t'aille le réuni kabouisien. Ouais je n'en des milliers de jeunes garçons jeunes femmes à l'amba yo pour qui raison? Parce que c'est pas bagay jeune haïtien pas remet bagay pays. Haïtien remet zin. Haïtien remet tripotaille. Haïtiens sont peuple comme Simtadou. De pour parler de bagaille culture, ou parler de bagaille éducation, il va nous caca comme ça. Parmi de la bagaille éducation bullshit, ou parler là là. Mais ou est-ce que commencez à parler de bagaille zozo, ou parler de bagaille coco maman, ou parler de bagaille fouillé pied, ou parler de bagaille coco matel yabdio, ou parler de zin, ou parler de nek kap joué nek en dedans, ou après toute dernière classe, ou après 400 000 views, ou après combien de 1000 views pour qui raison? Parce que vous préparez l'esprit peuple là comme ça. Gon système même qui prépare le peuple pour le remer charonge. Gon système qui prépare le peuple pour le remer malpropreté. Gon système qui prépare le peuple pour le remer bestialité. Gon système qui prépare le peuple pour le remer animosité. Gon système qui prépare le peuple pour le remer cochonnerie. Yo pas remer pour le peuple faire bagay qui propre. Yo pas remer pour le peuple arriver à apprécier de bonnes choses, de bonnes valeurs. Yo pas remer ça. Et c'est ça qui explique l'avènement au pouvoir de un type tant que Michel Martelly. C'est ça qui explique l'avènement au pouvoir de un type tant que gagné Jovenel Moïse qui par contre qui parle l'île par contre l'île pas écrit même. La raison pour laquelle parce que le peuple haïtien nous ensemble dans sa globalité à 80% y aurait été dans fait noir, y a pas qu'on lit, y a pas qu'on écrit, y a pas exposé à la bonne culture, y a pas exposé aux sciences morales, yo pas exposé aux sciences qui permettent que l'intelligence soit capable d'agir pour apprécier les bonnes valeurs. Parce que l'élite sociale de notre pays les a échoué. Élite sociale pays d'Haïti échoué, mon zao. C'est ça que fait, ouais, 6 jours aujourd'hui, hein, ouais, font live, côté que niveau technicité, son bras déjà extrêmement élevé, on parle de constitution, on parle de article, ou à parler de droit constitutionnel, ou à parler de droit public, ou à parler de finances publiques, ou à parler de budget, ou à parler de questions économiques, ou à parler de économie nationale, ou à parler de politique, ou à parler de évaluation, ou à parler de dévaluation, ou à parler de dépréciation, ou dans l'économie, ou à parler de... Pe pa haïtien, pa ptande ou, moun yo pa ptande ou sou la, vous. Ou pa gen moun, non. Et c'est ça, monsieur politicien, vous comprenez. Et c'est ça, journée jodi, hein, politicien, vous comprenez dans le pays d'Haïti. Et c'est ça t'explique jour et jodi on pral on nèg tan kou fantôme dou konsa pral poser candidat pour député parce que nous rivenons au point côté que nous autres les bonnes valeurs, les valeurs traditionnelles, les valeurs culturelles, sociaux, les valeurs sociales, les valeurs spirituelles, yo effrité en dedans société haïtienne. C'est charonge seulement peuple a aimé, c'est rabordage seulement peuple a aimé et c'est pas faute peuple là parce que peuple a besoin de monde qui pour conduire. C'est l'élite sociale haïtienne qui a échoué. C'est l'élite sociale là. Et appareil idéologique, c'est-à-dire les médias traditionnels d'un pays qui t'a supposé faire un travail pour lever niveau, pour permettre à ce que l'éducation civique peuple a fait. Même l'école n'est pas capable, mais l'éducation civique peuple a fait. Peuple a apprendre, comprendre, ça veut dire constitution d'un pays. Yo apprendre, comprendre, ça veut dire il a fait formation pour peuple, l'esprit patriotique pour comprendre peuple, pour faire peuple comprendre droit la devoir. Dans une société qui se veut démocratique, vous comprenez ça n'est que fait. Mais que plus remet peuple là elle pour craser briser rabodage yo prend peuple là yo kembel dans saleté premièrement yo créer un environnement de malpropreté pour peuple là c'est-à-dire que yo fait peuple là habitué vivre dans cochonnerie yo fait la traverser la boue yo fait la manger sous la boue c'est-à-dire yo fait river non point que li trouver le normal pour manger avec un cochon même quand un cochon a caca li trouver le normal pour chita bon en bas marcher en fait
pour la manger dans la boue, pour l'acheter à l'équipe, pour la manger dans la boue. Il trouve normal parce que c'est ça élite là offrir comme mode de vie. C'est ça élite sociale là offrir comme moyen, comme façon pour vivre. Et pour diable, il pas exposé, il pas voyager, il pas voir comment l'autre pays a fonctionné, il pas exposé avec d'autres bagages qui s'est passé, il accepte comme vrai. Il accepte comme réalité, il accepte comme normal. Un bagage qui pas normal pour un être humain, il accepte comme normal. Il considère que il doit caca, il doit descendre pantalon pour le toilette, même côté la manger, c'est normal. Il doit descendre canson pour le toilette, même côté cochon, c'est normal. Parce que l'élite haïtienne, yo démonisé l'homme haïtien. L'élite haïtienne, yo déshumanisé haïtien, peuple haïtien. Yo réduit peuple haïtien dans plus dans expression qui pi sale qui t'a gagné. C'est-à-dire yo fait nous tomber dans état de sauvage, dans état animal, dans état bestial. Alors là pour un peuple comme ça conditionnel pour le comporter le temps comme bête. Là pour un peuple qu'on soit conditionnel pour le comporter tant qu'un animal, ou pas exposé à la culture, ou pas exposé aux bonnes mœurs, ou pas exposé aux bonnes au savoir, ou pas exposé aux valeurs spirituelles, ou exposé la saleté et malpropreté. Li lever le matin, li respirer saleté cochon, li pral dormir respirer saleté cochon, li lever pral dans marché. Pendant le bras marché côté la marche te manger pour la faire, oui. Le marché a, li wè cochon a brabouré, même côté a. Li pral fol traverser combien passe de l'eau pour l'acheter manger pour le manger. Ça veut dire, li habitué, li vivre en symbiose avec cochonnerie, li vivre en symbiose avec salubrité, li vivre en symbiose avec malpropreté. La difficile maintenant, pour vino offrir peuple ça, quelque chose de propre, de positif, de clean. Quelque chose de soi. Pour offrir peuple, c'est un bagage qui est noble. La difficile. Pour qui raison? Parce que on travaille à la base qui n'est pas fait. Premièrement, on travaille à l'éducation. Peuple n'a pas exposé à l'éducation. Peuple a analphabète à 60-70%. Peuple n'a pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Maintenant, peuple a obligé qu'on y a là. Les victimes de Nexao qui permettent-lui exposer de quoi elle parle dans l'élection pour faire un choix éclairé, pour qu'on qui est pour voter. Si peuple a été conlite qu'on écrit, si peuple a été exposé à la bonne culture, si peuple a été exposé avec des valeurs nobles, nous pensons que peuple a pas voté pour Willow, nous pensons que peuple a pas voté Gracia Delva, nous pensons que peuple a pas voté Matéli, nous pensons que peuple a pas voté cochon PHTK, du tout pas, jamais de la vie. Peuple a pas fait ça. Et c'est ça t'expliquer journée aujourd'hui. Peuple a vint tomber dans une situation extrêmement bas. Nous trouvons nous dans une situation extrêmement bas que je ne dis pas, même sur les réseaux sociaux. Même sur les réseaux sociaux, nous assistons à même dérive ça, à même mentalité ça, à même forme de culture sauvage ça. Côté que, l'eau à fond, l'eau jeune garçon à fond live, ou bien jeune femme à fond live, côté que l'a exposé. Des notions, des valeurs, la font travail de sensibilisation, de conscientisation pour éduquer peuple là, pour ramener peuple là sur de bonnes voies, pour conscientiser peuple là sur des valeurs qui pour kembe société, pour faire comprendre que état va vivre là, gens va vivre là, c'est pas normal. Ou pas jeune en pile moun, remet là ça. Ou pas jeune en pile moun à apprécier là ça. Ou pas jeune moun à courir en bazin, en bas live qui gen zin. Ou attendez, il a parlé de comment on relève dame ça, il a parlé de sauf Solange, il a parlé de Blondie, il a parlé de parce que peuple a besoin moun k'a grien derrière yo, peuple a besoin moun k'a fait boss grien derrière yo, il a parlé de la planta, il a parlé de HMI, il a parlé de moun sa yo y a grien, ou pas yo tellement rivé non au niveau dimension, même au niveau artistique, au niveau de l'art, au niveau artistique oui. Yo pour une série de moun yo mette comme artiste en dedans pays d'Haïti. C'est-à-dire nous avons une culture populaire, une culture qui tellement rivée qui tellement sale, même choix moun a fait en matière de artiste, nous tomber dans bagay qui pi mal, dans bagay qui pi sale là. Nous artiste non temps pour moun te pa, faut te passer dans conservatoire, au moins yo minimum, faut te faire les études des lettres et des arts. Je ne jodi
Nous tellement tombés dans culture de dépravée. Culture haïtienne nous tellement vint dépravée. Elle vint tellement sauvage. Elle tellement, tellement sale. Nous tellement pas apprécié les bonnes choses, les bonnes valeurs, les perles. Nous pas aimé ça ou encore. Nous revenons au point que, jour et jour, qui ça élite là offre nous. Élite sociale haïtienne offre nous dans HMI là. Elle offre nous moun kap grine moun dayo. Moun kap montre bobot yo. Moun kap montre kok yo. Moun kap grien fan tout derrière yo. Moun, ça a veut dire là ouais ça ouais tout jeune garçon, toute femme courir à l'entrée en bas live ça. Parce que peuple haïtien vient rive non niveau. Y a pas aucun penchant pour les bonnes choses, pour les bonnes valeurs. Gien la gien doit garder là pour yo là. C'est une perte de temps oui que m'a fait là. Son perte de temps, ça m'a fait à la part intéresse. Son perte de temps, gagne toi le vin dit comme ça monsieur a parlé là. Qui caca l'a parlé là? Qui ça de qui ça monsieur a parlé des souverainetés, des droits, des questions constitution, des articles 132, des articles caca monsieur a parlé là. Et pourtant c'est pas faute ni non. Je ne serai pas le premier à le condamner. Parce qu'en d'autres termes, moi aussi je suis responsable en quelque sorte. Je pas premier à condamner. Parce que imaginons non pays côté que il pas exposé à éducation, il pas exposé avec culture, il pas exposé l'élite sociale là kinde li en otage, il pas bal accès à la connaissance, il pas bal accès à la culture, il pas bal accès à la santé, il pas bal accès avec dit l'élite sociale la traite tant qu'ou bête, tant qu'ou chien, tant qu'ou animal, tant qu'ou cochon. Qui ça pense le bral dit? Ça pense le bral vinn fait? C'est ça te fait? Gagne fois m'rete, m'adapter ma veille. Je descends dans le niveau. Pour qui raison je descends dans le niveau? Je commence à dire des trois bêtises. Je commence à dire bêtises. Pour montrer que, dans la question de l'animalité, chaque être humain a un animal qui dort en lui. Mais le problème qui se pose, c'est comment apprivoiser cet animal. Et seule façon pour apprivoiser l'animal, c'est par la culture, c'est par les bonnes mœurs, c'est par l'éducation, l'éculcation des sciences morales. Qui pour étendre l'esprit ou ouvrir l'intelligence ou, c'est comme ça pour apprivoiser. Et ce qui est vrai, à un moment donné, on doit m'arrêter pour exprimer des émotions frustrées. On a fait appel avec ce côté animal, bestial là, quand même, que tu me fais usage de ça, un langage vulgaire, pour m'entrer dans le mot que PHTK a comprendre, pour m'entrer dans la dimension que le peuple haïtien aime. Et laisse-moi comme ça qu'a passé. Pour des milliers de jeunes femmes, jeunes garçons viennent courir en bas live là. Pour qui raison ils courir en bas live là? Parce que ils pas viennent entendre vraiment le fond de ma pensée. C'est pas ça qui a intéressé ou. Ça qui a intéressé au plus, c'est ça m'a dit hein, bêtise là. Elle a dit coco maman, tête zozo, tête bobote, trip maman, fouiller pied. Pour qui raison? Il est vrai que c'est une stratégie de communication que m'ai adoptée pour la simple bonne raison. Je l'ai adoptée juste parce que besoin mettait en évidence état que nous vivons journée jodien, état animal que nous vivons journée jodien, état bestial que nous vivons journée jodien. Pas de l'autre façon pour yo ka permettre nous comprendre en série de bagages pour pas adresser à des cochons tant qu'ou PHT kayo ou obligé entrer dans la peau ou faire appel à l'animalité chez vous, chez nous pour nous capable adresser avec lui-même. Mais ce n'est pas du tout ça. Mais du moment qu'on commence à adresser des problématiques, des enjeux d'ordre national qui ont un rapport, bien entendu, avec l'avenir pour le pays. Ou pas besoin de 2 mounes, ou pas besoin de 3 mounes, ou pas besoin de 4 mounes, ou pas besoin de 6 mounes. Et c'est pas faute, yo. Et c'est ça que je dis nous la journée aujourd'hui, bat bravo pour la jeunesse. Je m'adresse à vous. C'est pas pour cette raison que nous, aujourd'hui, que travail ça que n'a pas bravo pour la jeunesse à faire, c'est travail de dénonciation, travail de formation, de sensibilisation, travail que Patriote Lolo a fait, travail que Jules a fait, travail que Jean-Frédéric a fait, travail que Morvin a fait, travail ça, yo, c'est son travail qui demande un pile courage moral. Faites attention. Et pas tout le monde n'a besoin de faire travail ça, yo. Parce que l'esprit de commerce et l'esprit de dépravation, li est en chita en dedans société haïtienne, li est assoi hégémonie sous l'esprit peuple haïtien, au point que le peuple haïtien n'est pas en mesure d'apprécier les bonnes valeurs, les valeurs de les cultures, la bonne culture. Y a pas qu'à apprécier. Parce que violence symbolique qui fait dans l'esprit peuple haïtien, li est péché. L'écraser jugement, l'empêcher d'apprécier les bonnes choses. Yo tellement pas apprécier les bonnes choses. Yo obligé, je ne dis, à voter. Y a exercer souveraineté que yo gagne.
y a voté des individus, il y a voté des kidnappeurs, il y a voté des drug dealers, il y a voté des gangsters, il y a voté des zinglendo, il y a voté des bandits pour qu'elle fait loi pour eux, pour elle diriger la République. Et c'est ça, bien entendu, qui fait mal. Et c'est ça qui fait me rejoindre en gros mouvement Bat Bravo pour la jeunesse là. C'est ça qui pourrait l'expliquer. Parce que tu me dis non bien, monsieur, tu monsieur Bat Bravo pour la jeunesse là. Travail ça, son travail qui est dur, oui. Au contraire, ce travail là dur, je vais expliquer nous ce travail là dur. Pour arriver à sensibiliser la jeunesse haïtienne, sous nécessité pour le connaître, condition la vivre pas bon pour lui. C'est pour un travail mestier, non? C'est un travail qui m'a donné le courage, oui. Puis quand on pense que c'est tout jeune garçon, jeune femme qui peut l'apprécier à sa juste valeur, travail ça, non? Et je m'adresse bien sûr avec ti monsieur, dame qui toujours fait travail ça et souffle cela. Puis quand nous pensons que nous prenons un niveau d'appréciation auprès de certains jeunes haïtiens en dedans société haïtienne, non? Non, du tout pas. Et qu'on raison pour ça? En majeure partie de ça, me sont expliqué ou ça, de là. Mais c'est pas faute du tout. Et c'est ça que me paracouille à condamner yo. Parce que, au même jour, nous, même en majorité, nous à l'étranger, nous exposés à la culture, nous exposés avec des choses, nos propres clean, nous voyons comment ils traitent les gens, nous voyons comment ils traitent les êtres humains. C'est normal, je ne veux dire, pour travailler cette affaire-là, les concerner nous au plus haut degré, avenir pays d'Haïti concerner nous au plus haut degré. Mais jeune en Haïti, un papa qui n'a pas d'option, qui a vu dans la propreté chaque jour, qui est exposé à saleté, côté que l'élite dans les médias traditionnels, le système dans les établissements, l'élite sociale, mettez tête ensemble pour tout payer, pour craser la morale, craser la mentale, c'est ça qui est pour le bré, pour le manger, pour le bré. Normalement, la considérer ça comme vrai. Mais cependant, vous avez toute jeune femme, toute jeune garçon qui en même temps en Haïti, qui retrouvent ou dans mouvement Bat Bravo pour la jeunesse là. Ce sont des hommes et des femmes le plus souvent qui t'a souffri en pile lui, qui conscient au moins que kaka sa journée jodi a non pas continuer avec lui. Qui ont des jeunes femmes qui malgré ou dans pays d'Haïti qui dit mais attends sérieusement, nous pas continuer, on pays pas ka continuer comme ça. On dérive ou tel dérive pas ka continuer comme ça. Yo jeune garçon dit mais comment ça? On pas quitter ton kidnapper après faire loi pour moi. Je ne peux pas quitter un drogue dealer pour faire loi pour moi. Je ne peux pas quitter un bandit légal pour signer un passeport. Je ne peux pas quitter. Ça veut dire, les gens ont une nécessité qu'on y a pour engager sur les réseaux sociaux pour rejoindre le mouvement Bat Bravo pour la jeunesse. Non? De quoi pour continuer dans la bataille, dans lancer ça pour accoucher en notre nouvelle société, en nouvelle Haïti. Vous connaissez pour qui raison, bien entendu. Question 7 février 2001. Li déchire jeunesse là en deux catégories. Yon groupe, et pas parce que yon groupe d'accord que Jovenel Moïse doit rester jusqu'en 2022, non? Ou bien yon groupe d'accord que Jovenel Moïse doit partir en 2021, non? Et pas ça de vrai problème, non? Vrai problème, non, c'est technicalité dossier question mandat présidentiel là, oui. C'est technicalité, ah oui. Qui vrai problème, non? C'est en réalité. C'est tout problème là, c'est tout problème ça. C'est ça que qu'on y a journée aujourd'hui, on va pouvoir. Ou dit un jeune garçon ou essayer ou appeler pour ouvrir jeune garçon bien jeune femme. Sous question. Mandat président, est-ce que la fini 7 février 2021 ou bien 7 février 2022? Il est pas vraiment trop à l'aise, non? Parce que non, moun n'a pas bon niveau pour ça. Jeune garçon, jeune femme n'a pas bon niveau pour ça. Il est pas fin trop à l'aise avec elle. Et l'absence est vraiment embarrassé. Et la seule chose à faire, c'est retirer col là. Parce que bagay wap vin parler là la papouli. Bagay 7 février, wap parler là la papouli. Bagay 7 février 2021, 2022, papouli. Mais on pas le temps de causer. Pendant la dil papouli, wap wel pap, li pa envie intéressé. Ça ka fait là. Pendant le pas d'accord. Depuis le pas d'accord, ou pas le pendant le pas d'accord, mais ça te pas le passé. Quand 7 février arrive, pays bloqué, manifestation, peuple souverain pour la rue, des blousons commencent à péter, caca à fête, caca à bouler, bagaille à craser,
cartouche a tiré, moun a mouri premier moun qui pral sur les réseaux sociaux. Même lui même qui pas voulu tendre, qui pas voulu ouvrir son li pour apprendre. Premier moun qui pral sur les réseaux sociaux pour venir en gorge li, pour commencer à dire oh pays ça son pays m'pa vle wè. Pays ça mes amis, yon pays kaka. Pays ça son pays, maman, m'pa konn ça m'a fait à pays ça. Pays ça son pays mal propriété. Pays ça mon cher, gade ta on pep. Pays ça son pays moi même, m'pa fout met pied la dan. Pendant ce temps, l'autre a fait live, ou t'as essayé formule, ou t'as essayé ouvrir intelligence, li, faire comprendre, ça ça veut dire constitution, on va faire formation citoyenne, il pas d'accord non. Il va pleurer en bas là, il courir à l'en bas blond dit fait dit non, il courir al gouyer bundal en bas Ralph qui a fait réuni, il courir al gouyer bundal en bas l'autre là ça ouais, il qui dit et qui toujours a dit comme ça, si t'es homme, tout le monde si t'es homme non, il courir al grand bundal parce que c'est ça yo bali société élite là bali comme modèle. C'est ça yo bali comme modèle. Et puis qu'on y a le chita là en bas yo là la brasse la souchéraine la ceci tout bois toute saleté toute malpropreté bien sous festa là le couille à l'en bas yo mais travail citoyen qu'a fait là travail bat bravo qu'a fait là travail éducation qu'a fait là travail de sensibilisation qu'a fait là li pa vinn la donne mais premier monde qu'on pays en bloqué qu'on pays écrasé qu'on tout bagage vire tête en bas qu'on pays bloqué diffé tout partout premier monde on va le tendre sur les réseaux sociaux qui va le monter qui va traiter moun yo moun k'ap manifester dans la rue qui va traiter militant yo des moun sale regardez ta yo li va chita derrière Facebook là attendez premier même comportement va gagne ou va le chita derrière Facebook là et puis va dire regardez ta yo regardez ta moun sale yo regardez gens yo pas clean regardez mais li blier si c'est dans mouda blonde dit li blier si c'est dans bunda et comment on et cité nom lité li blier si c'est dans mouda Karel lutte. Li blie si te nan mounda comme on le bal alte. Oui, get en blie tout bagay sa ou. Kote le tap gouye sekwe bundal. Li pa, pendant que te bat bravo a bataille pou sosi met. Li pa bay sa ou. Kin importance. Se pa avel wap pale. Se pa business li. Kon ya kon yo boule. Kon peuple la pran la li. La manifeste. La kaze. La brise. La defon doual. La revendike doual li. La revendike doual légitime li ande dan peyi. Et vous tande. Oh, gade ta yo. Gade ta moun sal yo. Gade ta yo baklin. Gardez pied. Gardez bonne lavalasse. Yo gen entre tout de lavalasse. De vous prend la rue pour revendiquer lavalasse oui. Oh, comme même Justin Lely qui a conduit. Gardez anacropopilicio. Gardez comportement yo. Gardez ta sale. Même ou konn ki a skap dou ça? Ou konn ki a skap joue peuple la k'ap exercer droit citoyen nan? K'ap exercer souveraineté dans la rue. Moun ki dépravé ki t'a bat bravo. Qui t'a parlé en babunda et blondie les blondie a grindel les l'autre bail a grimbel les raf a bouizin l'autre de et timasisi yo relé a joué c'est si c'est la radio c'est moun sa ou que t'a joué peuple là des moun sale li pas si l'esprit sale si l'esprit pervers si l'esprit pourri si l'esprit senti l'a joué un peuple qui a défendre doual. La joue au peuple qui compte doual en tant que peuple souverain. La joue au peuple qui comprend que les supposés prennent la rue même j'ai peuple américain pour demander bon l'hôpital, pour revendiquer doual, droit social, droit économique, droit politique, pour prendre la rue pour ça. Mes amis, lui-même qui a l'esprit dépravé, lui-même qui n'a l'abordage, lui-même qui a pris un bordage, qui a fait kawash, et qui a exposé tout bobotli sur Facebook. T'as grillé tout bondal sur Facebook. Parce que c'est dans sale pour plaisir. L'esprit tellement sale, l'esprit tellement corrompu, l'esprit tellement dépravé, l'esprit tellement écrasé, l'esprit sale. Il confond l'esprit qui pourrit, qui sentit, avec jeune, avec petit garçon, jeune garçon, jeune femme, qui compte doit en tant que citoyen qui prend la vie. Il y a deux catégories de jeunesse. Il y a une jeunesse qui pourrit, sentit dans l'esprit. Il y a très hypocrite. Yo pourri yo senti dans l'esprit. L'esprit yo senti, l'esprit yo dépravé. Yo chita là dans rabordage. Yo chita là gouillé. Yo chita là sur Facebook à exposer nidité yo. Yo chita là sur Facebook tellement yo exposé, tellement l'élite sociale là pourri l'esprit yo avec saleté, avec malpropreté. Yo pas qu'on doit encore. Yo oublié si yo gen droit, si yo gen devoir en tant que citoyen. Parce que l'esprit yo dépravé. L'esprit yo pourri senti. Quand y a jeune garçon, jeune femme. Nan bat bravo pour la jeunesse qui chita qui commence à prendre conscience de état de situation yo
qu'on y a captant de Marvin, captant de Patriot Lolo, captant de qui commence à prendre conscience de bataille qui a mené pour accoucher nouvelle société. Hein? Les jeunes garçons, ça, les 7 février, pile les terrains hein, avec peuple là, pour prendre la rue pour demander de départ au Jovenel Moïse pour bagaille, ou pour le premier, nous parlons dans sur les réseaux sociaux pour commencer à jouer. Qui va commencer à dire, au pays, ça va jamais rien. Gardez ta moun yo, gardez ta yo, pays ça va jamais merde. Pays ça va bon gros, pas bien font won pas. Ma propre chita nan mounda salopri chita nan Facebook la, oui. Nan salopri chita, oui. Mais il n'y a pas aucun courage, il n'y a pas aucun courage moral. Il n'y a pas aucune formation civique qui recevra. Il n'y a pas aucune éducation, instruction civique qui recevra. Tellement l'esprit dépravé, l'esprit sale, l'esprit corrompu, et puis qu'on y a l'élo à manifester, li pense nan mali son bagay mal ou a fait. Li pense nan mali son bagay ki pa bon di tout a fait. La prévendique d'ou. Tel pou te bon pou li la, pou peuple la ta bon pou li, fò ta wè peuple la a mete kòk li deyò. Fò ta wè peuple la a mete zozol deyò. Fò ta wè peuple la a grien bundal deyò. Fò ta wè peuple la ay fò se bagay sa yo remen. Fò ta wè peuple la moun ensemble nan la ri a fait assisi maintenant qui niveau dépravation jeunesse arrivé maintenant qui niveau nous rivé et là ouais peuple ça prend la ri c'est moun sa yo 7 février qui va commencer monter sur les réseaux sociaux automatiquement yo va oublier Blondi automatiquement yo va oublier. Yo va oublier Bondi. Automatiquement, yo va oublier Réuni. Yo va oublier Ralph. Automatiquement, yo va oublier Karel. Automatiquement, yo va oublier Rabodaï. Yo va konn y a commencer vini avec Wash yo nan men yo pour vinn lapider moun ki kont droit yo k'ap pran la ri al manifester. Yo va prendre Wash nan men yo sur réseaux sociaux pour yo vinn lapider moun ki kont droit yo ki pral revendiquer pour yon lot avenir, pour yon lot pays, pour déchouquer des racines et acheter kan nan tête pays a. Yo pas d'accord. Parce que pas oublier PHTK a venu en bas avec clair. PHTK a venu avec dépravation morale. PHTK a venu avec dépravation et effritement des valeurs morales dans la société. PHTK a venu avec ça ou les corruptions. PHTK a venu avec ça ou les malpropriétés, saleté. Eh bien, je vous dis, jeune femme, jeune garçon, qui embrasse idéologie corrompue, senti. Saleté, malpropreté, malversation, PHTK, c'est eux-mêmes qui prêt pour prendre la rue. Pour eux-mêmes qui prêt pour monter sur les réseaux sociaux pour condamner le peuple. Le peuple pour le manifester 24 et 7 février comme droit. On peuple qui a droit, on peuple souverain. Vous comprenez ce passé? Quand il y a là où on prend ça là, d'abord, ils font une analyse juridique, on va faire encore. On va faire encore. Vous comprenez pourquoi on va faire une analyse juridique ça encore, on va mettre en évidence. Question de m'a pas le traité souveraineté m'vin réaliser pendant ma fait live là m'vin réaliser mon cher travail n'a fait en bas bravo son travail qui dangereux lié il m'a donné pile courage et m'a profité ça le courage tout petit monsieur ça qui fait travail ça mon cher m'a suivi un bagaille ou elle m'a commencé parler m'a suivi dans live là. L'aime commencer à parler de analyse juridique, m'a parlé de constitution, m'a parlé de article 134, m'a parlé de article 134 alinéa 2, m'a parlé de l'article 136, m'a parlé de les attributions du président de la République, m'a parlé de la souveraineté nationale, m'a parlé de sa constitution, dit m'a parlé élaboré dans analyse de façon à ce que vous me permettez à ce que m'gardez bien live là. M'gardez en pile monde qui a commencé à retirer quoi. Il était commencé dans 170, on a commencé à retirer quoi. Pour qui raison? Et pas ça. Parce que grand pile moun, lè ou vin gade en bas la yon, c'est bêtise dans yon remè. Oh, men lèk mouyon, nèk ki remè di bêtise dans. Nèk ki remè di bêtise dans. Parce que c'est ça yon apprenn ni. C'est ça yon apprenn ni. Mais oublie si son. Mais ça pas connaît, pas connaît si son stratégie de communication t'a fait. Pour montrer nan ki état maté li mette pays yon. Nan ki état maté li fè le remè bêtise. Li pas comprendre si son stratégie de communication t'a fait. Pour montrer que comment maté li fè le. Nègma, nan ki niveau l'état pays arrivé, société nous en dépravé, que c'est moun qui kap di bêtise, kap grien, bobot yo, moun kap di, kap met zozo yo dehors, c'est moun sa yo que nous bay valande dans société ya. C'est moun sa yo, nous bay valande dans société ya. Et la
C'est-à-dire que gon inversion des valeurs en dedans société. Mais du moment qu'on parle, ou commence à parler de droit, ou qu'on parle de droit constitutionnel, ou commence à parler de études, ou commence à parler de étudier, ou commence à parler de formation, ou qu'on parle... Non! Il n'est pas d'accord. Il n'est pas accepté. Il n'est pas la donne. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas la joie qu'on parle comme ça. Parce que, Jean, si ça fait l'eau et l'élection, il offre un bout de banane. Il a fait Jovenel gagner avec bout de banane. Jovenel dit, ma foutre nous banane pour nous bourrer tant que cochon. On prend nek banane. Il a fait nek toujours une slogan ça. Nek banane. Nek banane. On a dit nek banane. Et puis, Matéli n'a pas besoin de gagner banane. Lui-même. Matéli a peut-être pas, lui déjà son salope. Matéli a peut-être pas déjà incarné. La corruption pure, la Matéli peut-être pas est déjà incarné la, l'esprit de dépravation. Il n'a pas besoin de dire, il pas besoin d'associer la banane pour se gagner l'élection. Et puis là, il y a un paquet de monde qui vivait sous lui. Nous avons un avantage que PHT a gagné sous nous. Nous, comment, monsieur, bravo pour la jeunesse, si nous ne faisons pas travail, si pour nous ne pas mettre grand monde sous nous, pour nous faire un travail sérieux, un travail de conscientisation en dans la société, il n'est pas facile. Nous, les gens travaillent tâche difficile pour nous. C'est un travail qui est extrêmement difficile. Oui? Parce que travail PHTK a fait rentrer dans la société. Les effrites et valeurs. Pas grand-rien qui retendait dans la société haïtienne. Non, non, comme valeur. Pas grand-rien non qui retendait comme valeur dans la société haïtienne. C'est nous-mêmes, nous n'avons pas bravo. Au moins avec quelques mouns qui retendait dans le pays. Qui fait une résistance toujours. Qui peut vouloir la guerre. Qui veut give up dans la société. Qui peut vouloir give up. Oui? Mais tout bagay est fini. Cloué, bagay planifié fini, société ça crase net, oui. Pas grand rien encore, pas aucune référence, non, en dedans dans la société haïtienne. Tout bagay fini, ou qu'on est fini, fini, oui. Fini, oui. Maintenant, là, faut travailler comme ça. On dit comme ça. Qu'on aime d'avoir le point de temps pour me faire une liste. Regardez, je fais des recherches. Ouais. Je vais faire travail plan. Je fais des recherches. Je vais montrer nous bien. Ouais. Je fais plan. Mais, recherche. Recherche, me fait. Pour me faire une analyse pour nous. Pas que ça m'a fait là. C'est pas que pour me soutenir, pour me paraître, pour me soumettre en dissertation. En dissertation juridique, oui. En droit, oui. Nous chita, me fait recherche. Nous toujours me faire travail académique pour mettre méthodologie. Pour me faire nous comprendre. Pour qui raison, je ne j'en dis, dans la question de débat. Ah! Ton écrasé de chien. Pas que yon là. Et non force pour dire au cher là, et non force pour dire pour qui raison d'après vous-même. Parce que haïtien frère, de vous dire chita ou dire bagay l'école, ton écrasé te courir, oui, parce que yo découragé la question l'école. Yo découragé la question culture. Haïtien pas aimé ça encore du tout, non, men. Ou qu'on ne pas aimé, li pas aimé, li pas vlel. Nous revenons pour le. C'est ça que je veux dire, nous venons tomber dans une situation côté que nous venons hypocrites. Pour qui raison nous venons hypocrites? Pendant ce temps, les PHTK ont dépravé la société, ils ont crasé les valeurs dans la société, ils ont détruit la société. Même j'ai un garçon sage aujourd'hui, qui est sans culture, qui n'est pas exposé à aucune culture, aucune valeur, il n'a pas aucune connaissance. Il est prêt pour une fusion, j'ai un garçon qui connaît, qu'on écrit, qui est exposé aux cultures nobles, aux valeurs nobles, avec intégrité morale pour 50 gouttes PHTK à Bali. Libre pour vider la terre pour 50 corps. Et c'est ça qu'on l'explique pour qui raison journée je dis en pile jeune garçon en pile jeune femme dans la société haïtienne pas pour qui raison qui nécessité fucking gain pour aller chita son banc l'école pas qui nécessité pour jeune garçon en Haïti journée je dis à fucking chita son banc l'école ça pas mine chette pour lui ça pas mine chette pour lui qu'on y a ligué une autre alternative que PHTK a proposé. Les gens ont l'autre alternative que la Valas propose. Les gens ont l'autre alternative que Duvalier ici propose. Albou le caoutchouc. Ou pas besoin à l'école. Al crasé brisé. Ou pas besoin à l'école. Ou pas besoin. Si ça fait n'est pas, j'en voulais mettre l'école en dedans pays. Si ça fait n'est pas, voulais mettre l'école doctorale en dedans l'université d'État d'Haïti. Si ça fait n'est pas, crasé toute institution en dedans pays. Parce que vous voulez peuple à fonctionner tant que cochon. Yo veut peuple là raï propre tête pas c'est comme si m'ta douce c'est un plan oui et m'ba l'entre en profondeur avec nous pour me dire nous ça m'a dit non là ça m'ba parler avec n'importe monde là non m'a parler avec monde qui connaît vous savez m'ba dit nous on bagaille c'est un complot international lié c'est un complot oui.
C'est pas un bagage comme ça. C'est un complot que l'Occident marre code l'embouti avec élite sociale haïtienne pour craser peuple haïtien qui nèg noir tête grande même. C'est un complot, oui. Et si on veut, si nous devons, c'est dans l'analyse ça, nous devons montrer nous complot, oui, mais je dis, on va faire ça. Jamais de la vie. M'a fait ça. M'a pas montré nous comment nous prenons un complot. M'a pas fait un rappel historique avec nous. M'a pas exposé les faits historiques avec nous pour montrer nous les raisons pour lesquelles que je ne j'en dis société nous arrive là. Les raisons pour lesquelles que nous est que c'est des gangsters, c'est des kidnappeurs, c'est des zinglendos, c'est des corrompus qui dirigent nous en dedans pays. M'a pas montré nous pour qui raison. Parce que gon agenda. Gon agenda politique international contre Haïti. Haïti, son pays que nèg target de cible pays ça. Et ça m'a dit nous, si on bagay m'a dit nous, avec tout comme que me connaît, yo target pays ça. Et parce que gon raison pour ça, conseil de terme moi t'a pas l'utiliser, me connaît li fort vrai. N'a pas l'utiliser terme ça pour nous ka comprendre, apprécier, on comprend une série de bagay même là ou même ou t'a pas faire analyse yo. N'a pas faire une analyse avec nous, analyse économique. Pour qui raison qu'on peut aider nous, au moins comprendre, on sait de concept, tant que globalisation, mondialisation, pour nous comprendre, qui côté Haïti situé, place et rôle Haïti sur l'échiquier mondial. Pour qui raison qu'on problème pour Haïti, qu'on l'armée en dedans pays. Pour qui raison, nous devons entrer dans l'essence ça yo avec nous, pour faire nous comprendre comment les instances, le complot international ça fait contre Haïti, pour détruire Haïti, pour permettre que nous ne pas camper. Pour faire nous payer, ça nous fait. Alors, où est le problème, non? C'est que si mal font un travail comme ça, aussi noble, on bagaille, on travaille comme ça, c'est un travail que yo supposé payer, normalement, mal bay conférence. Oui. Et pas bay, pour venir bay la guerre, la dérive. Oui, dans un grand pays sérieux, tant qu'on France, à Paris, aux États-Unis, des conférences, oui, bon bay, parce que je passe des heures à préparer, bien sûr, de façon méthodologique, travail, moi, pour faire des recherches, pour bagay, puis qu'on y a pour bay, pour me faire exposer. C'est pas bagay, vienne faire, pour me faire présentation, m'exposer. Et pas petit bagay, la d'autres bullshit, nèg la paret, la bouille, bundal, fait ceci, fait cela, non? Bah là, c'est tellement grave. Nous faisons un usage, nous faisons une stratégie de communication côté map dit bêtises. Pas de monde qui comprennent qui sont. C'est rare quelques monde qui comprennent que son stratégie de communication t'a fait. Il y a des monde qui pense, il y a des monde qui dit, on va dire bêtises, on va dire bêtises. Il pas même comprendre si son stratégie de communication pour montrer nous dans quel niveau peuple aille, dans quel niveau nous accepter, caca nous, dans quel niveau nous tomber. Moi obligé d'entrer dans pau. Moi obligé d'entrer dans pau nous. C'est-à-dire non pour moi obligé de descendre dans la boue saleté là. Moi obligé de descendre dans la boue pour m'exprimer nos vulgarités qui est extrêmement excessif, nos vulgarités qui est extrêmement dépassé l'intelligence humaine. Au point que pour me dire que ou quoi a privé non point pour sentir estomaqué pour t'a dit shit next am pas toler parce que ça m'a cherché un besoin nous river non point pour mon t'a dit shit monsieur quatre la voisier ou obligé parler avec nek PHTK mais pour moi mon t'a dit quatre si monsieur river là même j'aime même pas qu'à supporter bêtise monsieur a dit là comment faire m'arriver supporter bêtise Michel Matelio. C'est l'âme de besoin de vivre avant qu'il fasse adopter lui. Je ne veux pas dire que je prends Matéli comme modèle. Quand il y a besoin de monde comme modèle de Matéli, je prends. Non, montrez-nous que. Ça ne veut pas dire que pour autant, je ne peux pas descendre à un niveau bestial là avec nous. Je ne peux pas descendre à un niveau animal là avec nous. Je ne peux pas priver, pas de bêtises avec nous. Dans le même niveau. Je ne peux pas descendre avec le PHTK. Parce que je montre que fanatique PHTK aussi, on peut accepter caca. Si vous acceptez qu'on est caca et puis dit vous mangez, vous mangez. Si vous acceptez Matéli descend pour ta longue, li caca et puis dit tout fanatique PHTK ou bourrel et puis vous bourrel. Qui problème ou pas gagner qu'on y a si nous dit caca ou mangez caca? Ou pas gagner problème à ça? Ça veut dire qu'on fait une stratégie pour dire comment on est. Écoutez, qu'on a choisi qui caca ou pour manger avec qui caca ou pas de manger, mais ça n'empêche pas pour autant qu'on mange caca. Toujours c'est caca ou manger, mais l'essentiel c'est qu'on ou pas de manger caca. Maintenant, c'est hypocrisie ça gagne la caillou, ah oui.
Et puis, ouais, yo vini en bas live là, yo di, oh, gade j'aime si ap di bêtise, gade j'ap di bêtise, gade. Comme si, nèg la pa gade tête li nan miroir, li même kal vote Michel Matéli, li même qui se fanatique Michel Matéli, li même qui se premier nèg kap soutenir PHTK, pendant la fè même travail ça, et puis il sentil estomaké, tande, mes comportements, li sentil estomaké, di fè ke m'di l'boule nan get maman. Li sentil estomaké, boule nan get maman, son stratégie de communication, oui. Li sentil estomaké, di fè ke m'di, Kalambe. Li senti l'estomaké di fè ke m di nan boul koko maman. Ouè kaka? Ouè nan ki niveau peuple arrivé? Ouè nan ki niveau di dimension dépravation arrivé? Li rive non point que moun nan tellement rive non fanatisme excessif que l vin avec que se kaka la manje. Li vin manje kaka matéli toilette là. Kon yam même mwen pa être kaka ou bout de kaka m di manje le tout. Li di non pa manje kaka là. On dit pour qui raison pas manger caca là. Non, caca matelia, li rouge, caca pola noir. Mais blodeur, c'est toujours même caca ri men. Qui caca pam nan, qui caca matelia zami. C'est toujours même caca ri. Ça qui essentiel, c'est caca pour du pas manger men. C'est caca pour suspendre du pas manger. Quitte nan même matelia, c'est dit pour doit dit. Pour mes grands du pour dit non pas manger caca encore. Pour accepter monité pour connaître monouyé. Pour accepter l'humanité. Eh, son être humain, ou pas qu'à tout l'autre humain, ap manko de gars, ap kaka sou, et puis pour du manger kaka. Ou pas qu'à faire ça. Quel que soit moun, même si c'était moi, même si c'est ton l'autre moun, ou pas supposé accepter ça. Et c'est dans le niveau ça nous arrive jeudi en la. Quand y a l'empre, l'autre la vie nous l'a dit, oh oui, l'empre, gagne qui te pense que m'a formé, gagne qui te pense que m'a formé, la cour il vient monter. Il pense que c'est un petit kaka la palle. On a qui gagne deux masters dans le monde là, moi-même. Je suis deux masters dans le monde, mais si quelqu'un a pensé, il pense que je suis pas formé. Dans la grande université, il y a une université qui est plus prestigieuse qui existe aux États-Unis, en France, je m'étudie. À Paris, inventé en Sorbonne. Et puis, je parle comme ça, lui-même, il court, il est venu. Il servait le vide en Haïti, il est un petit fanatique PHTK. Il court, il dit, oh oui, oh, et puis là, il vient parler français. Il pense que c'est le cacacam. Il pense que c'est le cablo, il fait passé mon bêtise. Il pense que c'est le cacacam. Oh oui, oh moi, oh, je croyais que vous étiez, monsieur Lavoisier, je croyais que vous étiez un intellectuel. J'avais de l'estime pour vous. Oh, oh, pour vous, oh, ou faites-moi honte, oh, je suis déçu. Ouais, j'en hypocrite. Ouais, j'en hypocrite. C'est la miavole. Elle a montré dans quel niveau nous prenons cacaï. Dans quel niveau travail, bat bravo pour la jeunesse à faire, son travail qui dure. Parce que pour nous comprendre ce qu'a fait là. Il y a des gens qui ne comprennent pas pour quelle raison choisir de rejoindre Alliem avec Bad Bravo pour la jeunesse. Au moins, je teste toutes les structures qui gagnent déjà. D'ailleurs, le groupe n'est qu'on habitué à fonctionner avec toutes les structures qui existent. Il y a tout corrompu, tout jeune garçon qui corrompu, fouillé, vendu en bas PHTK. Dernière classe corrompu. Si vous n'avez pas dans PHTK, vous n'avez pas dans la Valas. Si vous n'avez pas dans la Valas, vous n'avez pas dans, comment vous dites, Maurice Jean-Charles. Si vous n'avez pas dans Maurice Jean-Charles, vous n'avez pas dans troisième voie. Ça veut dire, nek sa yo, jeune garçon sa yo, dans la génération, vous avez un fouillé, vente yo, en série de côté. Ça veut dire, code lombrit yo, cervelle yo, trip yo, nom yo, vous avez un code, caillon politicien, en Haïti, politicien sa ouile, et politicien traditionnel yo. Mais là, je viens de garder dans le bas de bravo. Moi, c'est l'autre travail qu'a fait. Moi, si monsieur ça, j'ai courage. Moi, si monsieur ça, j'ai conviction. Moi, si monsieur ça, ce sont des hommes de caractère. Moi, si monsieur ça, au moins, ils ont personnalité. Au moins, ils ont colonne vertébrale. Je suis le discours. Je suis le discours nègre de près. Je dis, mais attends. Je dis, mais pendant ce temps, on a fait tout le bas, il y a un bas pour contre moi. Et puis, tout d'un coup, je viens rencontrer moi les nègres me font y parler, me dit mais écoutez, mais c'est du sérieux, c'est du solide. Me dit c'est du sérieux, c'est du solide. Et puis automatiquement, je vois que je viens rendre compte que j'ai des amis qui se trouvent que me te connais en France qui t'a étudié avec m'a tout profité saluer et Wilgens m'a saluer et Altenor le roi tout qui était camarade en France. M'a saluer au soulève là. Là me garder moi petit monsieur ça ou à embrasser bah là. Me dit mais il y a quelque chose de bon. Quelque chose de sérieux, parce que je connais collègues ça en France, ce sont des hommes qui te combattent avec, qui sont extrêmement fougueux, extrêmement, et qui ont des connaissances, qui n'allaient pas marcher des bagailles, de n'importe caca. Et puis automatiquement, allez mal sur monsieur, mal gardé. Et puis là, regardez, moi, c'est du solide. Et je prends une conversation avec monsieur, je parle avec ti monsieur, je parle à Jude, je parle à Lolo, je parle à Ivans, je parle avec Morvan.
automatiquement moun gwen nèg yo gon au moins gon conviction. Ça ne veut pas dire pour autant pas qu'on gagne pas qu'on gon ti chire pit. Ça existe même dans les grandes familles. Ça existe même dans les grandes familles. Arrêtez quand même. Même dans PHTK là gagne division. So écoutez. On prend so mais l'essentiel c'est que nèg yo vinn rendre compte que gon nécessité pour nous accoucher en alternative. Et alternative ça c'est nous-mêmes jeunesse bat bravo qui pour accoucher. Et bien me dit mais attends, il faut que on pas décourager. M'te pour compte même ta bataille sous face là, on dit m'pas décourager. L'aime ta frapper Claude Joseph pour comportement, m'pas décourager. Qu'on y a moralement remonté, on dit non mais écoutez, je suis prêt pour nécessaire. Ça pas veut dire pour autant que tout n'est gain même conviction, mais ça n'empêche pas pour autant, mes chers amis, que jeune jodiant, il est vrai que la réponse à la crise actuelle, c'est j'ai bien dit à la crise sociétale. M'pas dit crise sociale non, j'ai bien dit que la crise sociétale. Parce que une crise sociétale, il y a un monde qui parle. Souvent qu'on fait différence entre crise sociétale et crise sociale. Écoutez, ou amendez-moi texte à côté ma bonne différence là. So basically, parce que nous-mêmes premièrement nous réfléchissons sur la société. Nous gardons, nous font diagnostic, nous dit mais écoutez, ça n'est que vendre nous là comme société, c'est pas ça. Nous voulons comme société, jeune garçon, jeune femme qui a caractère, qui a personnalité, et pas ça nous voulons. Modèle société ça que élite là bas nous là. Élite ça a dépravé ça ban nous on pas besoin et c'est une raison que monsieur a dit que il faut que nous rejetions en bloc tout système toute classe politique traditionnelle la faut jeter en bloc parce que pas gon celle là dans yo qui pas gen zone nous ka faire pas gen l'un nan nèg yo la classe traditionnelle là qui pas gen zone nous ka faire pas gen l'un yo et en plus comme ça m'a dit là yo victime de même environnement raison qui fait. On imagine bien, majorité n'est qui dans opposition là qui s'est une transition. Est-ce que le fait que y a une transition veut dire pas veut dire que pays va changer, société va changer? Pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Est-ce que vous voulez dire que n'est pas le changement de système non pour asseoir l'autre système? Pas forcément vrai. La preuve on est grand pile parti politique qui gagne acquaintance avec même bourgeoisie corrompue. M'a regardé un bagage hier, un élément écrit comment il s'appelle là, m'a cité nos amis sur Facebook. Les dit son travail, son bagage il trouvait bizarre pour opposition hein, chaque fois qu'il va faire manifestation, yo boule tout bagage. Pendant ce temps, yo connaît tout nèg yo toujours du coup, oh oui bourgeois corrompu, bourgeois sale, oh y a joué deep Renault deep, y a joué comment on est le shérif Abdalla, y a joué tout nèg ça opposition. Bon moi toi hypocrisie opposition hein? Et puis pendant ce temps, les gars manifestation pas bon bien non bien peuple a boule tout pas gon bien nan bien Eric nan bien nek sa ou ki boule pas gon bien nan bien Abdallah ki boule pas gon bien nan bien et nek sa ou ki prend di fait rien pas boule pendant ce temps ouais yo vin monter sur les réseaux sociaux yo monter dans toute radio pays dans toute radio paysan y a prend ni gorge yo oh oui shérif Abdallah oh oui c'est là ça veut dire nan même nek sa y a dénoncé même opposition k'ap dénoncé bourgeois ça yo y a dit oui shérif Abdallah y a kako pa jam combien moun ki konn ki est ki shérif Abdallah combien kèk gran nek nan konn ki est ki shérif Abdallah combien moun ki konn ki est ki Renault Dip la kèk gran nek nan nou ki konn ki est ki Renault Dip. C'est des droits de monde dans le pays à connait oui. Quoi qui compte masque peuple comme monde ça. Yo va connait yo. Yo va comme monde ni aux gens noirs. Et puis qu'on y a là, nèg la doula fait manifestation chaque jour, opposition à foot fait manifestation. Chaque jour mettre monde dans la rue, nèg ça pas jamais perdre un penny. Nèg ça pas jamais perdre un penny. Autour de Gariboudo c'est foqué, Gariboudo c'est ceci, Gariboudo c'est là, Gariboudo n'a pas levé propre Gariboudo, n'a craser Gariboudo, nous pas pleurer à Gariboudo et puis nèg arrivé boum manifestation fait. Kay Gariboudo là dans Delmar pas gon pinaise qui pété dans Kay Gariboudo et puis nèg la monter dans radio télévision mon cher Gariboudo c'est un obstacle au bon fonctionnement du pays après la li couper dans radio la parler caca nèg opposition yo non menteur c'est ça t'aime pas castagne opposition hypocrite trop yo traite yo non menti y a pour les monde debout yo on sale bagarre qui dans tête opposition pour pouvoir pas rien encore yo va changer en merde dans le pays. Il va poser pièce problème sociétal, il va poser pièce problème social, il va prendre merde. Just ranger koyo,
tant de monde, voyez peuple à le boule, voyez peuple à le prendre là, il fait caca. Pendant ce temps, il y a voyé peuple à l'en arrière, il y a dit négo, il y a dit négo, pas moi, il y a fait chérif Abdallah, pas moi, il y a fait, même négo, il y a dénoncé, oui, même négo, il y a fait nous croire que vous comptez là, même négo, il y a pédé dit nous, oui, nous, c'est négo qui est payé en otage là, oui, même négo, il y a pédé dit nous, c'est négo qui problème dans le pays, oui. L'autre qui opposition ou dit opposition, c'est qu'à quoi vous voyez, proposition du non, c'est pas nous, c'est bourgeois. L'autre dit qui est bourgeois à parler, il dit comme ça, oh oui, Chérif Abdallah, il dit oh oui, Andrea Pedigno, il dit oh oui, et comment vous l'autre là, Renault Dip, il dit oh oui, c'est Intel. Pendant ce temps, les le peuple a fait manifestation, on pinaise pas péter la gagne. Oh, so, li monte dans la télévision. Oh oui, Garibodo, c'est Garibodo le problème pays. C'est Garibodo, c'est si c'est là. Garibodo, ou même comme tête pété, ou reprend discours, ou pas qu'à faire bon analyse pour, et pour accepter. Et puis commander, quand on prend la manifestation, mais quand Garibodo là, mais Garibodo a pour les belles machines, mais Garibodo, par mon pinaise, qui pète là, quand Garibodo. A me dit, on prend pour caca. Yo prend pour non, yo prend pour caca. On sait le bagay a bat, y a youzou, et puis pour y a le monter pouvoir. On dèp qui l'a moué, c'est bluffé, oui. Depuis le lac au Mariotte, moué son dal bluffé, oui. Nèk opposition, nèk classe traditionnelle, kaka sa ou. Yat fèm babli, oui. Yat fèm, ouem bab jamant kiri un bavant malpropte sa ou. Depuis le lac au Mariotte. Depuis le lac au Mariotte. Yo fin dit, tenez, yo fin dit, babé, j'en jovenel. Yo fin dit, babé, j'en jovenel allé. Faut jovenel allé, faut jovenel allé. Faut jovenel allé, faut jovenel allé. Et puis d'un coup, manifestation. Oh, nous avons rendez-vous pour cette juillet. Nous avons rendez-vous pour cette ceci. Nous avons rendez-vous pour cette cela. Nous avons rendez-vous pour cette bagaille. Manifestation, manifestation. Et puis, soit tendez à la tout comme manifestation, comme bagaille, et puis tendez tendez oui. Vous mettez le peuple là devant, vous mettez militants devant, ti sans famille, ti sans parents, ti délinquants, ti ceci, vous avez mis le goud, vous prenez l'arrière, le boulet, caoutchouc, dix fait prendre en pied, dix fait prendre en main, vous avez pris le cartouche dans la police, vous voyez confronter la police, ti moun, nek sort, ti militants, ti militants tête pété. Et puis, vous gros autobre, dans l'opposition, gros palto, vous pouvez penser, qui pi bagay, gros politicien, j'ai le caca, m'a pas sting salopri ça. Gros rat yo, on sait de gros rat volé. Yo range kò yo nan Mariotte ou jeune Yuri la Toti, ou jeune Yuri la Toti et Lavalas ou jeune nèg Lavalas ou jeune secteur démocratique ou jeune si là ou jeune tout gros tête yo et si la gros auto brandé dans pays a classe politique et puis yo chita nan akò de Mariotte. Yo mange 3 fois par jour dans journée. 3 fois nan matin yo prend le petit déjeuner. Pendant ce temps, jeune garçon dans la rue qui t'a manifesté, pas même gen kop pour acheter un sachet de l'eau. Tandis, yo mange 3 fois. Et puis, la presse a couvri l'événement, yo mange 3 fois. Première fois, yo mange, mais comment? Yo mange, yo prend le petit déjeuner. Et puis, yo fin prend le petit déjeuner. Et puis, yo bay fè de route, yo di, document, gros auto, brine, gap si, hein, parle français. Et puis, yo fè mes portes là. Et puis, s'entendez, tout moun pense son affaire sérieux, kap réglé. Et puis, s'entendez, ya. À midi, ou tant de yon sorti. Oh oui! Et puis, yon parle devant la presse. Yon la presse toujours là. Parce que c'est même yon même encore qui gen contrôle la presse. Faut comprendre que non, même. C'est même yon même qui gen encore la presse. Yon achete action dans la presse. Yon achete Vision 2000. Yon achete Métropole. Yon achete Radio Caraïbe. Tout radio ça, tout type presse ou en Haïti. C'est même yon même qui gen contrôle. Oui, c'est ça que la presse n'a pas qu'à libre là. Oui. Même nek ça. Et puis, yon parle dans la presse. Et puis, nek yon petit journaliste, pas qu'on en met pour dire petit journaliste, fait sorti dans Sciences Humaines. Yon balon petit job à buver des politiciens dans la rue. Et puis, il parle. Oh, monsieur Boulot. Monsieur Boulos, qui ça te discute en dedans là? Qui ça te discute? Qui ça nous dit? Qui ça te sorti? Attendez, oui, qui ça qui sorti? Comme si c'était Gromba et sérieux t'as réglé pour pays. Qui ça te sorti là dans la réunion, dans la rencontre là? Et puis, monsieur Boulos, lui-même, un bon bluffé, un bon raqueté. Monsieur Boulos, un bon bluffé, un bon raqueté. Par lui dire comme ça, bon, écoutez. Bon, nous sommes au début de l'activité. Au contraire, nous avons l'ordre du jour. Nous avons épuisé la première partie de l'ordre du jour. Il est vrai que maintenant, nous sommes dans la phase des débats. Et écoutez, il faut comprendre que... Bon, il y a... Et puis, s'entendez à la toux. Et puis, il finit par aller
même il finit par parler et puis j'entends des à la tour et puis nèg la gante prendre en radio tendez en direct sur radio Caraïbes ou bien sur radio télé et métropole ou bien sur radio ceci cela. Oh oui, nous sommes gagnés leader journaliste un petit journaliste en gros diable a fait quatre la font petit cob l'a sauvé son petit malheureux qui était jusqu'à fou pour diable il fait sans humaine qu'on y a le gratte le gratte je notre job les jeunes notre radio t'accepter tellement aucun pays a n'en fait noir aucun et puis qu'on y a li wa original boulos comme gros autobré gros causé grosse si grosse là pour dire petit journaliste a besoin petit bout de visa américain pour t'avoir agir tant coup Karel ou on prend alors l'obligé mourir col pour notre petit bout de visa américain li mourir col. Oh oui qu'on y a tant des journalistes en radio en direct. Oui nous en direct nous en direct là. Bon écoutez, nous sommes bien avec nous là Reginald Boulos leader MTV mouvement troisième voie. Eh bien ça t'a fait nous comprendre que nègre travail y a pas avancé là et t'as semblé que nègre c'est prêt pour un jeune on accord contre toute partie d'accord et d'après ça monsieur Boulos t'a dit nous comprendre faut le mettre non monsieur à devant parce que s'il va mettre non monsieur li nan kaka. Faut le mettre non monsieur parce que faut le mettre non monsieur Boulos. Oh monsieur Boulos oui oh leader ceci cela et puis peuple lui même qui attendait ça dans radio Caraïbes. Il tendait à parler de monsieur Boulos, ceci c'est la peuple là, j'aime Boulos ni en rouge ni en droit. Monsieur Boulos, je pas dit ceci cela là et puis peuple attendait, il a brûlé bail là bail Boulos, ba nous dans la ria et puis petit peuple là même n'a attendait et puis quand ça passé de fond dans tout bail là et puis petit peuple là même n'a dit oh monsieur Boulos ça oui, monsieur bon bye bye. Et puis c'est comme ça. Et puis c'est comme ça il a lavé cervelle peuple là. Réseau classe politique traditionnelle là, mélangé avec médias traditionnels là, mélangé avec bourgeoisie traditionnelle là, senti criant, yo met tête ensemble et puis yo kokobé jeunesse là, yo kokobé peuple haïtien. Quand y a même pour venir dire en tant que jeune garçon, ou pas gè problème avec moi même chéri la voisine. Ou pas gè problème avec Morvan. Ou pas gè problème avec compatriote Lolo. Ou pas de problème avec Jean-Frédéric. Ou pas de problème avec Jude Célestin. Ou pas de problème avec ti monsieur Belche, jeune femme bat bravo. Peut-être nous-mêmes, journée aujourd'hui, nous rejeter en bloc. Classe politique traditionnelle avec bourgeois senti, ni médias traditionnels senti caca. Qui crase un pays. Comme si vous pensez que nous-mêmes aujourd'hui, nous pas prendre recul pour nous faire diagnostic de l'élite sociale ça, qui mette le pays à côté lié à la. Du moment que nous parlons jour et jour, on parle, ou pourquoi j'aime carré nous compte que c'est nous vraiment qui alternative là. Ou pourquoi j'aime carré nous compte que c'est nous vraiment qui avons ouvert genre sur réalité là. Que c'est nous qui avons fait le travail pour sensibiliser, pour ouvrir genre, pour montrer que c'est notre caca classe traditionnelle, élite traditionnelle là à passer. Il n'y a pas besoin de venir en rien vrai. Il n'y a pas besoin de venir en rien. Système non son système pays sous c'est ça m'd'a pas le faire avec nous aujourd'hui hein, pour nous râler avec nous m'd'a pas le faire un travail méthodologique clair m'd'a pas le montrer nous depuis les nous fin prendre indépendance en 1804 m'd'a pas le montrer nous les accords qui ont été faits qui prend que nèg adopté les grandes puissances de l'époque car m'a parlé de l'époque de les grandes puissances de l'Europe d'Europe les puissances colonialistes avec je ne jodi avec l'Amérique émergente à l'époque. Comment yo va fond contrat mais yo va fond contrat secret contre Haïti un complot contre République noire ça pour République noire ça va jamais rien premier bagage yo fait pour me venir avec nous premier bagage yo fait sous boyer yo craser derrière nous yo fait boyer payer l'argent pour reconnaissance indépendance. Yo kembe pays nan autarcie. Yo bloqué pays, pas gen débouché, économie pays a bien fonctionné. Pas oublié non? C'est toute l'île là où il t'a travaillé. Économie pays t'a bien fonctionné, oui, sous boye. Toute l'île là t'a fonctionné, oui. Ni Sedo mèk jounen yo di a ni parti l'ouest, tout t'a travaillé ensemble. Économie yon te fort, oui. Ou kon sa k passe? Là yo wè économie yon fort, production nationale a avancé, nous pas ka vann parce que n'a produit. Mais nous pas qu'à vendre à l'extérieur. Il est vrai que gagne des petits bateaux dès qu'on a les et qu'on a les aux États-Unis
Mais puisque n'a produit nous pas gagne moyen pour nous exporter marchandises yo, nous fait déficit. Malgré nous fait déficit, la France, les États européens à l'époque, même les États-Unis à l'époque pas choisi reconnaître nous indépendance nous. Au moins nous avons une certaine légitimité au niveau international qu'on a nous déca commercer librement officiellement avec nous. Ou comme ça États-Unis fait, États-Unis peut faire commerce avec nous en cachette. États-Unis fait cash fait commerce avec nous en cachette de quoi pour pas gâcher relations diplomatiques avec la France avec les pays européens. Ou qui ça nous te prend. Et c'est on qui travaille, moi, t'as pas le faire avec nous là. T'as pas le faire avec nous, travail ça pour te venir tirer conclusion. Conclusion, t'as pas le faire sous dossier George Floyd là. Pour comprendre le phénomène raciste qui vient aux États-Unis et qui rôle haïtien, l'esprit haïtien révolutionnaire, haïtien, jouer dans ça nous qui a passé aux États-Unis là, actuellement là, les nouveaux drapeaux haïtiens a monté aux États-Unis, les tout nous dans vidéo côté haïtien a dit qu'on l'enquête maman police côté tout monde a mis drapeau haïtien dans figure parce que les bagages ça fait c'est pas seulement contre le racisme nous ça fait c'est contre un système d'oppression. D'abord, il faut analyser avec nous pour montrer nous système d'oppression, ça, qui est-ce qui est implanté, dans qui intérêt, groupe, catégorie lié, qui ça le système capitaliste là même, ça créé, pour qui raison qui est nous comme ça. D'abord, il faut travailler pour montrer nous ça. D'abord, cher avec nous des connaissances qui vous permettent à ce que l'on fasse une analyse, ou à prendre des reculs pour comprendre qu'il y a un petit pays de 27 000 km² qui a plus de 10 millions d'habitants par rapport, et pour qui raison, à un certain moment, au tournant des années 70, au tournant des années 70-80, les États-Unis et les pays d'Europe ont obligé de mettre les têtes ensemble pour choisir de développer Saint-Domingue, voisin nous, au lieu de développer Haïti. Ce choix, t'aime dit non ti bagay pour les grands pour nèg qui penser on est obligé fort pour faire économie. Tout nèg ou tout économiste ou k'ap parler en Haïti propose expert en économie, toutes ces têtes pétées. Toutes ces têtes pétées k'ap utiliser des concepts de ceci, toutes ces têtes pétées. Et moi dis nous ça. Tout économiste ou k'ap radoter, k'ap parler de taux d'échange, k'ap parler de évaluation, d'évaluation, qu'on parle de dépréciation de la goutte, qu'on parle de politique économique, politique monétaire, qu'on parle de tout ces caca, tout ces bullshit, oui, n'est-ce pas, qu'on parle de taux de chômage, n'est-ce pas, parle de récession. Toutes ces non-logiques capitalistes, toutes ces, c'est toujours une logique capitaliste. Toutes ce sont des économistes qui pas qu'à dépasser le cadre capitaliste. Réflexion n'est que ça, ou pas qu'à aller au-delà du cadre capitaliste. Ou on y a pas qu'à réfléchir, y a pas qu'à produire une réflexion qu'à aller plus loin que ça. Ou on prend petit économiste tête pété nous gain en Haïti qui toujours prend ni cap japper sous télévision. Mettez au Cuba pour essayer au cap si au cap travail. Pour qui raison y a pas qu'à travailler Cuba? Parce que le système économique cubain son système socialiste lié. La difficile pour on est venu parler des taux d'échange. La difficile, c'est-à-dire qu'on sait de concepts économique que le système capitaliste occidental utilise yo ba yo vale tant que cochon yo accepte le conseil de concept ou pas qu'à utiliser Cuba parce que la réalité économique Cuba n'est pas la même avec la réalité économique occidentale imposée par le système capitaliste. Imposée par le système. C'est-à-dire, là où on a étudié l'idée où on a pris les économistes en Haïti, hein, là où on a pris les économistes en Haïti, mandé yo nan ki cadre idéologique a évolué. Fon kade nan ki cadre nek sa cadre de réflexion ni. Cadre de réflexion ni, est-ce que c'est nan cadre de réflexion capitaliste là ou bien est-ce que c'est nan cadre de réflexion socialiste avec mode de économie et communiste. Non, nek la li même son ti individu yo prend là et puis yo fait économie microéconomie avec macroéconomie avec et puis yo s'attendait à la tout et puis li maîtriser ça relé les lois de marché et la loi de l'offre et de la demande et puis yo mettait quelques petits bagages tête pété bali et puis il vient chita là et puis vient radoder par les caca dans figi monde et puis la utilise une série de gros concepts taux de change ou même qui en bas malheureux ou pas comprendre ça veut dire taux de change là ou penser son paquet gros causé grosse ici la parole de dépréciation de la goutte la parole de ceci de cela tout ça yo
ce sont des concepts imposés par la communauté internationale dans un monde capitaliste, dominé par le système capitaliste. Tout ce sont des concepts. Et bien, moi, je dis un petit bagaille en partant. En partant, on va parler de science. Tenez bien ça, m'a dit là. Je m'adresse maintenant avec mes élèves. On va parler de science. Il y a deux types de sciences. Il y a les sciences dures ou il y a les sciences molles. Les sciences dures, c'est la science qui est soumise aux lois de la nature. C'est-à-dire, il est soumis aux lois du déterminisme, causalité, ou pas qu'à dévier, ou pas qu'à passer au de loi, ou qu'à observer, ou qu'à découvrir loi dans la science naturelle-là. T'as bien, ou qu'à observer, à partir de l'observation, ou découvrir loi qu'il a donné. Parce que loi naturelle là, il est déjà là. La nature a ses propres lois. Ou qu'à découvrir loi. À partir de l'observation. Ou expérimenter loi. Le fin expérimentel. Qu'on y a ou comprendre qu'on y a que qui loi qui gouverne la nature. Par exemple, ni en chimie, ni en biologie, les sciences dures, ni en chimie, sciences naturelles, chimie, biologie, bagaille physique, là où nos sciences Dieu, où nos sciences au besoin, bien entendu, il y a un degré d'abstraction. Au besoin, un degré d'abstraction en matière de mathématiques. Là, on a parlé de métaphysique, mais non niveau qui est extrêmement anti-jambaye. On va parler de métaphysique dans le sens idéalistique du terme, c'est-à-dire pour une approche platonique, c'est-à-dire dans le sens platonicisme et kantisme. On va parler de métaphysique dans le sens au niveau bien sûr formel, c'est-à-dire au niveau des mathématiques. C'est-à-dire, les chiffres, la manipulation des chiffres. Mais ton besoin, outils, ça, métaphysique, ça, pour accompagner la compréhension de monde physique. Là. Maintenant qu'on y a là, les paramètres du monde physique, ce ne sont pas les mêmes avec les paramètres du monde humain et social. Maintenant, on va tomber dans les sciences molles. Les sciences molles, ou gagner, par exemple, dans les sciences molles, vous avez les sciences sociales et les sciences humaines. Par exemple, l'économie n'est pas une science dure. L'économie, pas qu'une science dure, l'économie est une science molle. Il fait partie des sciences sociales. C'est-à-dire que l'économie doit prendre forme, société à vouloir. C'est pas économie à décider. Il n'y a pas qu'à imposer une économie parce qu'on veut imposer une économie, non. Non, l'économie doit ajuster par rapport avec déshydrater la société. C'est ça, oui, qui science molle là. C'est-à-dire, c'est la société, à travers un contrat social, décider qui mode de production qu'il y a accepté, qui mode de production économique qu'il y a besoin de mettre en dedans. Est-ce qu'on n'a pas adopté un mode de production économique capitaliste? Ou bien, est-ce qu'on va adopter un mode de production communiste ou bien socialiste? Ou bien un mode de production mixte? C'est le société, c'est la société au travers du contrat social, oui, qui va le définir, qui modèle, qui mode de production y a besoin. Ce qui explique, en d'autres termes, que la science économique n'a jamais, ne peut en aucun cas être une science naturelle. C'est pas possible. Ou pas qu'à appliquer les mêmes méthodes. Maintenant, pour appréhender cette dimension, l'on a science molle. C'est ça qui fait une science molle, pas une vérité. Pas jamais de vérité en science molle. En science molle, toutes les sciences molles sont dominées par des idéologies. Et c'est ça, un pile monde pas comprendre. Toutes les sciences molles sont dominées par des idéologies. Que ce soit la science humaine, que ce soit les sciences humaines, que ce soit les sciences sociales. Toutes dominées par des idéologies. Pour quelle raison? Parce que toutes les sciences humaines et sociales, ce sont des produits de l'esprit humain. Ce sont des produits. C'est par convention qu'on accepte. C'est par convention qu'on accepte que 2 plus 2, 2 plus 2 égale 4. C'est par convention qu'on accepte démocratie. Démocratie, moi, je ne dis pas que les sociétés qui fonctionnent sans démocratie. Oui, il y a des sociétés qui fonctionnent sans démocratie. La preuve en est, ou qu'une société qui a fonctionné sans démocratie, là, qui s'est Corée du Nord. C'est ce qui veut dire que l'affaire science politique qui sont sciences mortes, ou pas qu'à prendre la démocratie comme un bagage universel. C'est une absurdité. Ou pas prendre comme une universelle. Parce que dans la réalité, dans les faits, gagnons un système
politique qui défie elle. Par exemple, système Pyongyang, non. Est-ce qu'on comprend? Il défie elle. Système et Cuba défie elle. C'est-à-dire qu'on pas qu'à venir bondi, ou pas qu'à venir mordi. Parce que, apprenez-moi ça, les sciences sociales sont soumises au relativisme. Ce ne sont pas des sciences absolues. Ils sont soumis au relativisme. C'est-à-dire, ce sont des sciences relatives dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire, par rapport à telle réalité, ils ont des droits d'accord, ils ont des droits pas d'accord, ils ont des droits acceptés, ils ont des droits pas acceptés. Et c'est là que nous avons un problème en Haïti. C'est pas parce que blanc américain ou bien occidentaux viennent bourrer une démocratie dans le nous, comme un cochon, nous obligés à accepter comme vérité scientifique absolue. C'est pas vrai. Et c'est ça ma doule n'a dit en Haïti, nous avons des politologues, nous disons que nous avons étudié sciences politiques. Bullshit! Bullshit! Ou bien des économistes qui disent oui, c'est économiste. Bullshit! Parce que si vous êtes des économistes vrais, ou t'as connu que normalement, et pas juste vous avez venu transmettre. Ou juste venir en réalité haïtienne non? Et vous venir avec les vieux concepts américains et européens, les vieux concepts occidentaux, et vous venir accoucher, vous venir parler des taux d'échange, de ceci, de cela, bullshit. Non, ou t'as produit une réflexion sur la réaction, notre réalité économique, ou après chercher pour cerner la spécificité de notre économie, et à partir de là, et à partir de cette spécificité, ou pas construit un ensemble de soutiens conceptuels à partir desquels ou pas élaborer une pensée économique qui correspond avec notre propre réalité. Mais pas si tu viens chanter John Maynard Keynes, ou viens chanter Stiglitz, viens chanter dans Figi Mouna, toute radio télévision, oh oui, David Ricardo, radoté avec Jolio, oh oui, David Ricardo, Adam Smith, ceci c'est la bullshit, après répéter, nous prenons toute la pensée économique occidentale, nous viens accoucher dans Figi Mouna, tellement nous entrons dans la dynamique d'acculturation, c'est celle ça nous propre, valer tout ça occident, nous accoucher dans Figi Mouna. Et moun nou gen en Haïti, kap jo wol wè lè sa yo, se ti intellectuel, ti jeune intellectuel te pété nou gen en Haïti yo, ti jeune intellectuel te pété nou gen en Haïti yo, ki pou ko ka dépasse cadre de réflexion, cadre environnement, yo pou ko ka dépasse l. Et puis yo vin chita, vin radote nan tout radio, nan tout télévision, vin radote. Par exemple, on prend nek kou, comment yo tere le monsieur? Nous avons deux trois économistes en Haïti. On prend pour nous. Pas j'aime qu'on qui porte une réflexion solide. Pas j'aime qu'on est y en a qui porte une réflexion solide sur modèle économie nous gagne en Haïti, non? À savoir que modèle ça pas marché, pas bon résultat, faut adopter un autre modèle, non? Pas j'aime qu'on non. Zéro. Pendant ce temps, ils sont conscients au plus haut degré que le modèle capitaliste libéral que nous avons en Haïti, il n'a pas accouché aucun résultat. Aucun résultat. Au contraire, voilà, il est pour nous. Là, on n'est pas être du comme ça, oui. L'économie, on définit la science économique production de richesse, écoutez, non. Il y a des économies, il y a des modèles économiques qui ne correspondent pas à la réalité. Pays où il n'y a pas de richesse, non, il produit, il génère pauvreté. Il génère pauvreté. Parce que il ne correspond pas à la réalité pays où là. Oui, donc Farel, Nexao, ce sont des hommes qui endoctrinés dans le monde occidental. Et à partir de là, les Nexao arrivent dans la réalité haïtienne. Il y a cassé Bekyo. Yo kase bek yo pour qui raison? Ce sont des économistes qui pas jamais ka accoucher des résultats. Pour qui raison? Yo kase bek yo chaque jour parce que le mode d'organisation économique nous gagne Haïti, son mode d'organisation économique capitaliste et libéral, li pas correspond à la réalité spécifique de notre pays. Li pas correspond à elle. Konnen est-ce qu'on a dit moun yo ou nan mondialisation? Tout le monde dans des grands pays a utilisé des concepts tels que mondialisation, globalisation. Qu'on y a, ou pas le dire que nous dans mondialisation? Non, nous ne sommes pas dans la mondialisation. Au contraire, nous subissons la mondialisation. Ce qui explique bien entendu que le concept de la mondialisation n'a pas été fait pour nous.
C'est-à-dire lorsque les gens, les économistes du monde occidental, yo chita, y'a réfléchi pour yo produire concept, yo les mondialisation, yo pas pensé avec Haïti. Hein? Yo pas pensé avec Haïti. Là, les gens ont réfléchi à mondialisation. C'est 300 économiques, yo dit, oui. 300 économiques, oui. Là, on a parlé de mondialisation. 300 économiques. Même l'Afrique, pas là-dedans. 300 économiques. Yo te ouais l'Asie autour de Angé et ouais la Chine. Ça a été les et s'afficher déjà avec l'Asie, la Chine. Yo te ouais l'Europe qui t'a gagné l'Allemagne là-dedans. Et puis l'Union européenne et puis nous t'a gagné l'Amérique qui gagné là-dedans et les États-Unis, Canada et puis Mexique. C'est dans la bataille. Dans la bataille, l'autre pays, il va le battre pour entrer tête, tant que le Brésil, tant que les dragons, il va le battre pour rentrer corps dans la bataille, pour qu'il soit sous son manteau. Oui. Au bout du contraire, n'est-ce pas, on va l'entrer. Pays, ça, on va l'entrer dans la mondialisation pour le bénéficier. C'est parce que n'est-ce pas l'accepter au subi. Il va l'accepter au subi. Pour quelle raison? Parce que, il connaît, il a gagné sa relais, coup de main de va bon marché. Il va l'accepter au subi. Pour capable de bénéficier de échanges économiques et commerce qu'a fait sur le plan mondial. Yo impose en mondialisation. Quand y a nous t'a parlé de libre échange, nous gon paquet de journal, on paquet de capital, on paquet de dos de nèg en Haïti qui a parlé de libre échange, libre échange, libre échange. Nous t'a là on a parlé de libre échange. Nous même n'a répété tant que gros tête pété, nous en bas là même une bonne dissertation économique nèg là pas qu'a fait non. Li chita là on a parlé de libre échange économique, libre échange ceci c'est la libre échange. Mais écoutez, sous son nèg qui t'est formé, qui t'est éduqué, sous son nèg qui t'est vraiment formé ou t'es une culture économique extrêmement avancée pointue. Ou t'as connu les parler de libre-échange. La première bagaille pour réfléchir, c'est au protectionnisme. Avec lui. Première bagaille pour réfléchir. Depuis que nous parlons de libre-échange, première bagaille qui pour venir dans mal sous son bon économie, c'est le protectionnisme. Parce que le protectionnisme, c'est la forme la plus avancée. Attendez, la forme la plus avancée, oui. Pour contrecarrer les dérives du libre-échange. Là, on parle de libre-échange. Quand tu as dit, qui ça qui est libre pour échanger? Ou qui trois bagailles ou échanger? Bon, quand on a nous fait ma prendre non, c'est des bagailles avec nous qui est extrêmement important. Bagaille, m'a supposé. Bon, normalement, ma fait. Des trois bagailles. Là, on parle de libre-échange. Trois bagailles ou échanger? Ou échanger biens et services? Ou échanger moun, capital humain, flux migratoire? C'est-à-dire, c'est ça que fait, là, on a parlé de immigration. Immigration, c'est pour seul pays développé, ça fait. A fait en Haïti, ou pas parler de politique immigration, parce que bullshit, ou pas de politique immigration en Haïti. Et seul grand pays, côté économie développée, industrie pour les 24 hours, côté manufacture a bien fonctionné, bon économie industrielle qui très avancée, c'est dans le pays, ça, yo parle de immigration, parce que nèg yo connaît bien, l'économie yo a fonctionné à plein emploi. Moun yo gen dan peyi a pou yo ka kenbe wage lan ba sa rele et salè minimum nan ba yo oblige ouvè pòt peyi yo pou mi imigran vini an dan peyi a pou imigran ka kontrekare sa rele employé lokal la de quoi pou lè imigran pou de quoi pou tra toujou gon réserve les employé lokal les citoyen lokal la di pa fè travay sa pou 10 goud immigrant li même li prêt pour faire pour 8 goud c'est peut-être ça oui on vient avec politique immigration bonne tête pété et peut-être ça il faut que Haïti pa ka nan immigration pour faire immigration en Haïti faut ta gon économie qui solide qu'on développe économie moun pour wè ou après moun a commencé immigrer dans pays ou après moun a commencé immigrer en dedans pays ou. Parce que ou pas qu'à parler de immigration pour pas marier avec l'économie, le développement économique. Ou pas qu'à dire parler de développement économique pour pas parler de immigration. Ou pas parler de développement économique qu'on a pour pas parler de ça le libre échange. Pour qui raison n'est que besoin de libre échange? C'est ça le système capitaliste. C'est ça y a besoin de capital. De capital faut capital y a capable de circuler librement. Premier capital qui y a circuler librement. C'est ça où est bien service non?
Et nèg, c'est un avantage grand pays qui développe, oui. En les États-Unis, fin produit diril, li fin produit poil, li fin produit blé, li fin produit ceci, c'est là. Qu'on y a qui côté le poil, et couler marchandises, li yo. Li pas besoin de boucher. Li besoin de boucher pour le vendre diril, pour la diril, avec poil, avec blé, avec maïmoulin, avec petit mille, avec cochon, avec cabri. Qui côté le poil, la yo. Qu'on y a, on pense que commerce international, là, son commerce qui est équitable. Alga des balances commerciales nous avec balance commerciale Haïti par rapport à Haïti avec États-Unis. Bon, son balance commerciale déficit que nous gain parce que nous importer plus, nous importer parce que nous pas produit. C'est normal, Américain pas jamais à l'aise qu'au produit. Les pays occidentaux pas jamais à l'aise qu'au produit parce que sous produit marché local ou a saturé, marché local ou a saturé et ou a gain ça les surplus. Leur gain surplus qu'on y a ou capable prendre surplus pour vendre sur le marché international. Haïti bagay de base à la prenou nan David Ricardo tête pété commerce international oui. Ça c'est ça ou fouye yo bourré nan tête nèg ki rele tête yo capitaliste nan tête pété oui. Kon ya ou même ou jounen yo di pour kon nou rend nou ou comment se rend nou compte pour que raison production économique ou li pa bon ou pa ka gen production économique. C'est ça m'ta pral montrer nou jodi an la oui. M'ta pral montrer nou pour que raison nou pa ka gen production économique. M'ta pral tout d'abord montrer nou que la science économique ce sont des sciences mol liées. C'est-à-dire son sens qui soumis à la loi de la subjectivité, il soumis aux lois du relativisme. Et bon science absolue où on y parle avec toute pensée économique yo là, David Ricardo, par exemple, et bon on entre en Haïti, boum et pour venir la guerre, bon, et puis le résultat, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas la réalité, ça est mentilier, ça pas la fête. Au contraire. Ni science politique ni la science sociale, ce sont des sciences qui, on prend, qui varient dans le temps et dans l'espace. Dans leur application. Maintenant, il revient à ce que, ça ne veut pas dire que pour autant, il n'y a pas de bon côté ou de mauvais côté, mais il y a un ensemble de paramètres où doit qu'on est. Si on ne peut pas paramètre ça, on ne pas maîtriser paramètre ça, on ne peut pas faire bien fait science ça, yo. Ça va toujours. Parce que faut comprendre que science ça, yo, en tant que telle, les sciences molles, sciences sociales, les sciences humaines, ce sont des outils, surtout dans le monde occidental, ce sont des outils, des instruments d'influence pour asseoir l'hégémonie du système capitaliste, pour asseoir l'hégémonie du monde occidental dans le reste du monde. C'est ça, science molle. Là où yo prend, on t'y paye dans quoi Haïti, yo prend, yo va aux États-Unis pour aller étudier. Hein, yo voye aux États-Unis pour aller étudier ça aurait les sciences économiques, pour étudier sciences sociales, pour étudier sociologie, pour étudier toutes sciences ça yo et pour le tourner en Haïti. Ou vin tourner ça aurait un instrument. Non mais bourgeoisie, non mais occident comme on outil pour capable kembe pays à faire noir plus. Pour capable kembe pays à faire noir, ou vin tourner quoi? Et comme Simdadou, ou vin tourner succursal. Ou vin tout nos succursales et l'arrivé dans pays qu'on ne parle pas les français et c'est là oui son forme de colonisation oui mais son colonisation au niveau de l'esprit son colonisation mentale pour qui raison bon bref on tire approche épistémologique avec nous pour qui raison bref on approche épistémologique avec nous pas dit m'ba nous trop mais après on tire approche épistémologique avec nous. L'on est pas là où dit comme ça nèg la son grand savant nèg la son savant attendez il faut comprendre bien le mot savant. Maintenant, un savant, c'est un homme qui gon savoir, il a la maîtrise de savoir. Maintenant, il faut comprendre. On y a, mais la question qu'il faut se poser, bien entendu, de quel savoir s'agit-il? De qui savoir? Maintenant, si vous êtes un savant, il est intéressant de savoir de quel savoir il est question ici. Parce qu'on va poser une question, on va soulever une problématique d'ordre épistémologique. Parce que, ou pas qu'à, pour que raison épistémologique, épistémé, qui signifie connaissance, savoir, et logos, qui signifie la science de savoir, qu'on ne doit pas rentrer dans la philosophie du savoir, non, ça sont l'autre bagaille. Mais cependant, on va pas laisser comprendre de quel savoir il s'agit. Maintenant, les gars, d'où qu'on a, il s'agit de savoir scientifique. On entend bien, oui. Nous entend des mots scientifiques. Pour qu'à qu'on toujours, scientifique. Mais qu'est-ce qu'il y a de scientificité? Qu'est-ce qu'il y a de scientificité dans ce type de savoir? Mais on l'autre question. On s'interroge. Et ce qu'on a, ça a fait là, on fait un travail philosophique. C'est-à-dire, on produit une réflexion sur le savoir. On fait un travail philosophique. Vous questionnez, vous interrogez sur le savoir.
Parce que maintenant, le savoir est devenu objet d'étude. Le savoir est devenu objet d'étude. Quand on apporte une réflexion sur le savoir, on fait un travail épistémologique. On y a là, l'arrivée est là, on dit, bon, écoutez, mais quel savoir? On finit poser problématique ça là. Quand on avance, on dit, bon, à partir de savoir ça, mais quel type de savoir ça? Comment on arrive avec type de savoir ça? Et c'est là, pas un problème sérieux de poser. Comment ces hommes ont arrivé à ce type de savoir? On ne peut pas soulever problème de finalité, savoir là, qui sont dimensions idéologiques. Faites attention, je ne suis pas encore dans la finalité. Maintenant, je produis une réflexion en amont, pas en aval. Je suis en amont, je suis dans le cadre. Je m'a réfléchi sur le mode de production du savoir. C'est-à-dire, m'a réfléchi sous savoir là tant qu'on produit. C'est-à-dire, le produit, c'est une production de l'esprit humain. Maintenant, j'essaie de comprendre, de cerner le cadre qui a permis. Vous comprenez? Le cadre qui a permis à savoir ça, pour émerger en tant que savoir. Maintenant, on produit une réflexion. Ok, on est chercheur, et puis on produit une réflexion, qu'il y a des méthodes que au moment, sont imposées. Attendez bien, pour nous garder plus de bagailles, quand il est même d'arrêt, mais nous lions pile, qui est extrêmement bon tout, et Michel Onfray, qui sont grands philosophes, on conseille nous à lire le livre, monsieur, yo. Ou gagne Michel Foucault tout. Michel Foucault qui est extrêmement bon parce que monsieur écrit un livre et l'archéologie du savoir, extrêmement important, très très fort, très 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 solide. Moi-même, je n'ai plus rien, qui c'est un monsieur Seyon russe et monsieur les deux scots. Moi-même, monsieur en pile, monsieur extrêmement bon, monsieur forme en pile. Monsieur, bon, comprenez? So, l'arrivée à un niveau ça, ou à questionner sa voix là, ou pas vin valer, ou pas vin chita ou à gober sa voix quand vous cochon, ou yon juste là, vous plat sa voix devant, et vous chita ou à valer sa voix, si on pas même connaît qui type de sa voix lié, si on pas même connaît à qui ça sa voix ça a servi, si on pas même pas questionner sa voix là en tant que tel, ou juste tendez un tel écrit, et puis lui dit un bagay pour valer le temps cochon. Avec du pas aucun esprit critique ou pas protéger l'esprit ou pas j'aime nous compte que l'esprit sacré ou pas j'aime comprendre que l'esprit sacré ou doit protéger ça l'esprit sacré l'esprit son bagage qui plus sacré meilleure façon pour un monde jouer dans l'esprit c'est le produit un savoir et puis le mettre dans l'esprit comme vérité maintenant parce que là le savoir pour le passer comme vérité à qui stade savoir là pour le suspendre savoir pour tomber dans le stade de vérité. C'est ça fait vous parler de vérité scientifique. Pour qui raison? Qu'est-ce qui. Faut comprendre mieux le problème. Parce que si nous ne pas comprendre le problème, ça, yo, nous ne pas comprendre qui caca nous prend dans le pays d'Haïti avec quand nous tombons dans l'esclavage mental. Ça. Mais dans ce temps, les gens qui ont scientifiques, c'est ce qu'on appelle, vous parlez le plus loin que les communautés scientifiques. Bon, bon mot, nèg yo remen utilisé que partenaire te vin avec yo les paradigmes. Bon, ça mot, ça m'a pas utilisé parce que son mot qui baille. Bon, un paradigme, ouais, pour aller de chiffre paradigme, son l'autre bagaille. M'a privé dans le niveau ça. So, et l'arrivée dans la dimension ça, qu'on va poser, qui est-ce qui fait savoir ça? Par exemple, la science. Ou elle font archéologie de la science économique. Qu'on va demander le savoir économique. Comment est-ce que vous faites Vinavel? À partir de quelle réalité, quelle observation, quelle donnée qui était à disposition yo? Et comment l'évolue dans le temps pour jouer aujourd'hui à nous venir un savoir scientifique ça à disposition nous. Mais est-ce que savoir scientifique ça opposé maintenant? Qui sorte de réflexion critique nous a porté sous savoir ça? Sous savoir ça? Est-ce que savoir ça, nek sa yo? Qui chita groupe nek sa yo, yo cherche sa yo. Est-ce que yo pas subi yon influence? Est-ce que yo pas d'en bas yon influence? Est-ce que environnement culturel, socioculturel yo te la dan, pas jouer un rôle déterminant dans production savoir sa? Kon ya l'opposition problématique comme ça. Kon yon prend recul par rapport à savoir la. Kon ya la, la fin pour recul kon sa à savoir, ou pral rend ou compte, ou pral tirer conclusion, pral wè, que le savoir n'est jamais neutre. Le savoir n'est jamais neutre. Il n'y a pas de neutralité dans le savoir. Même l'entendez-vous qualifier de scientifique.
il n'y a jamais eu de neutralité dans le savoir. Surtout les savoirs de type, les savoirs d'ordre social qui ont rapport aux sciences sociales. Savoir ça ou pas qu'à neutre. Parce que savoir ça ou le plus souvent, ils ont subi influence, ils ont inscrit dans un cadre idéologique sous adjacent que ou pas ouais, mais qui l'a qu'à pousser en dénonce. Par exemple, dans ces politiques, ils parlent de régime politique, ils parlent de démocratie, ils parlent de état de droit, ils parlent de bah ça. Mais attendez bien, tout concept ça yo dans politique en Haïti, c'est importé nous importé. Ce sont des produits. Des produits, ce sont des savoirs, des concepts que nous importons. Démocratie, c'est importé nous importer. État de droit, c'est importé nous importer. Et tout ça, nous gagnons en Haïti, nous importer. C'est-à-dire que, si nous parlons de intelligence haïtienne, intelligence haïtienne, les pauvres en pile, nous à zéro la donne. C'est-à-dire, nous pas produit, nous n'avons pas des centres de recherche qui correspond à notre réalité, que ce soit réalité socio-économique, politique, réalité culturelle, pour poser pour produire des réflexions sur réalité, ça, oh, des centres de recherche, et puis qui pour accoucher des savoirs qui sanctionnent, des savoirs qui sanctionnent par une communauté scientifique qui indépendent, bien entendu, de communauté scientifique, non, qui vient pour critère, vraiment des propres critères, intelligence, qui vient pour critère, pour bagaille, parle, comme d'arrêt, les propres critères, les propres bagailles, et propres outils, les propres méthodologies, les propres méthodes, pour évaluer, savoir que n'a produit à part la réalité, par nous, et puis pour nous sanctionner, li. Nous baguons en Haïti, mais nous, j'en chita à gober. Nous devons chita à gober. Ça blanc à fouer dans la cervelle, nous te coup cochon. Et puis, nous finissons gober. Et puis, nous descendons en Haïti, ou dans de yolo docteur. Ou dans de yolo gen master. Ou dans de yolo gen ceci. Ou dans de yolo gen cela. Et puis, blanc à gado de près. Blanc chita juste Washington, juste en France, juste Canada, la gado, ou même qui douce docteur en Haïti, ou même qui douce économiste, ou étudier la Kaliwi, ou li voye ou al kase bekou. En Haïti, pour quelle raison? Parce qu'il connaît la réalité haïtienne, pas correspondre avec kakal fouye dans Mayoua. Il va casser Bekou. Et puis, quand on a un comportement vingé, ou pas qu'on a un compte, pour dire que c'est savoir là, que on apprend aux États-Unis, en Occident, qui pas correspond à la réalité pays ou là. Savoir là, ou pas qu'on a dit c'est savoir là, pas bon non. Mais puisqu'on est en dépense l'argent pour prendre savoir, c'est ce qu'on a fait. Au lieu que. Ou rend nous compte que c'est savoir là pas bon. Réalité haïtienne nan défier savoir là, li défier savoir. Ou konn sa fè? Ou commence à critiquer réalité pays a. Au lieu d'essayer de comprendre réalité pays a pour produire propre savoir qui correspond à réalité pays a. Non. Ou konn sa fè? Ou commence à critiquer réalité pays a. Ou commence réalité n'est pas bon, pays a pas bon. Économie pas bon, c'est si c'est là-bas bon, c'est si c'est. Mais c'est ça de fois scientifique, c'est ça de fois intellectuel, oui. L'intellectuel, c'est pour qu'apporte une solution à ça de pas bon, oui. Mais tant moins, c'est ça que je vais après tant. Ok, l'audio n'est pas bon, c'est que bon problème qui pose. Un intellectuel, c'est ça le fait, oui, il réfléchit sur le problème, non? Là, il réfléchit sur le problème, non? Et puis il consulte d'autres intellectuels à partir de réflexion, non? Et puis, li prend intellectuel ça yo, li dit sous tel problème spécifique donné en dedans pays d'Haïti, mais yon réflexion te produit sous li, moi propose la la société, et puis si yon société a vle prendre, y a prendre. N'est-ce pas, je me rends ni compte que c'est pas problème l'école qui gagne dans Brenni, c'est pas problème réalité, réalité, rete réalité. Pour comprendre la réalité, pour agir sur la réalité, pour changer la réalité, il faut d'abord observer la réalité, il faut d'abord comprendre la réalité. Et à partir de là, on finit comprendre ni ou observer. Et puis qu'on y a ou font travail de conceptualisation et de systématisation ou produire savoir sur la réalité. Et puis qu'on y a ou agir sur la réalité. On dal nèg chita là, monte nan radio pe, nan radio radio comment on relait radio Kiskeya, radio Métropole, radio Caraïbes,
Yo connaît peuple là par contre, il pas connaît écrit autant de yo du économiste, yo ceci, yo économiste, yo docteur, yo ceci, yo c'est là, yo gain tout gros titre. Yo connaît peuple haïtien remet titre flambant. De vous gain titre. Yo prend pour gros ceci, yo gros cela. Autant de Haïti nous gain ingénieur. Negladou te fait GOC, il te fait sans humaine. Negladou l'ingénieur. Bal font route. Bal nek sa font route pour. En vérité, il va capable. En vérité, il va capable. Alors imaginons, je ne dis pas, pour qui raison, au lieu que l'on fasse un travail de conscientisation pour permettre au peuple, la jeunesse, de comprendre ce qui a passé, vous préférez offrir jeunesse dans l'autre bagaille. Vous offrez jeunesse la rabodaille. Vous offrez jeunesse la kawash. Vous offrez jeunesse la blondine. Vous offrez jeunesse la et Ralph. Vous offrez jeunesse la, comment vous le bazar, HMI. Vous offrez jeunesse la, crèque coco. Yo fri jeunesse là comment ou l'autre élément qui kon grain dans qui pas grain dans devant. Mais ça ou fri jeunesse là. Parce que c'est ça yo ba nous, yo ba jeunesse là comme modèle. Yo fri jeunesse là immoralité comme modèle. Yo fri jeunesse là corruption comme modèle. Yo fri jeunesse là malpropreté, perversion comme modèle. Yo fri jeunesse là malversation comme modèle. Maintenant vous comprenez pour qui raison toujours des petits problèmes par rapport à une série de jeunes intellectuels qui connaît bien entendu. Ils ont été pour un recul. Et pas faute, yo, m'vin trouver nèg la gen doit intellectuel, mais il pas capable de dire une réflexion. Oui? Et sérieux, parce que grande dimension philosophique solide ou de gain, oui? Pour produire une réflexion. Et là, m'a parlé de dimension philosophique, ça sont l'autre bagaille, ça sont l'autre paramètre. Ah, l'autre bagarre, parce que c'est moi qui est dans le domaine ça là, c'est moi l'entrée dans la métaphysique avec nous, mais gen moun là qui a couru quitter la là parce que, et pas j'en m'a fait non, parce que, notre épistémologie avec nous toujours, m'a posé problème épistémologique, question de science, c'est là, par rapport à la réalité haïtienne, par rapport avec économie pays, mais c'est moi qui est dans la philosophie avec nous. On prend, ma parole fait l'histoire des idées avec nous pour nous questionner les idées, pour nous comprendre les grands courants idéologiques, pour nous essayer de comprendre, nous avons fait un petit rapproche tout petit avec nous pour nous comprendre ainsi par là, Zoroastra, pour nous essayer de nous comprendre la pensée nietzschéenne, la pensée de Nietzsche, pour comprendre, nous avons expliqué nous la pensée de la négativité, la pensée négative. Pour me faire nous comprendre, pour m'entrer dans une dimension phénoménologique, ontologique avec nous, pour m'essayer de faire nous comprendre ça, ça veut dire, une série de bagailles, pour nous comprendre l'existentialisme de Jean-Paul Sartre. Est-ce que Jean-Paul Sartre est un phénoménologue ou bien c'est un existentialiste? Pour m'entrer avec nous, et Martin Heidegger, pour m'étudier courant ça avec nous, pour me faire nous comprendre la pensée philosophique occidentale. Pour montrer nous chat caché derrière la philosophie occidentale, pour montrer nous l'esprit de l'Occident, pour nous faire nous comprendre les trois piliers qui fondent l'Occident. Le premier pilier, c'est le pilier judéo-chrétien en matière de civilisation. Deuxième pilier, c'est pilier politique et démocratie, droit de l'homme, liberté et démocratique et libéralité. Troisième pilier, qui sont piliers fondamentaux majeurs, c'est les Kembe, tout reste l'autre des piliers, c'est le modèle capitaliste à l'Occident, à l'Occentrisme. Si je vais entrer pour faire un travail comme ça, c'est bagay qui m'a dit des heures de cours. C'est bagay qui m'a dit des heures de cours. On va exposer, on va faire un exposé magistral pour me permettre de nous comprendre. Et puis on va faire un travail avec nous sur le plan axiologique. Ah oui, ça sont l'autre bagay. Axiologique pour m'a montrer nous, pour m'a montrer nous une dimension philosophique qui a un rapport aux valeurs. C'est-à-dire pour m'a étudier les valeurs avec nous, pour montrer nous une racine de valeurs, comment les valeurs sont venues à l'existence. Pour m'a parler nous de échelle de valeurs, pour qui raison ils ont adopté tel bagage comme valeur en dedans société. Et sous qui échelle ou qu'a évalué en valeur pour considérer comme une valeur qui est positive avec une valeur qui est négative pour une société. Et travail ça, son travail axiologique lié et réflexion ça, c'est réflexion ça va poser, leur poser problème axiologique, leur poser problème de valeur ou soulever problème ça ou les sociétal. Ou pas soulever problème social non, ou soulever problème sociétal. Parce que on va questionner les fondements même de la société, c'est-à-dire quels sont les principes, les valeurs qui servent de base fondamentale avec une société pour exister, pour le camper. Après, je t'ai adressé une lettre. Je t'ai adressé une lettre ouverte avec Aristide.
Et puis en pile monde pas fin comprendre l'être là pour diable. Mais c'est seulement malheureusement, c'est seulement monde qui te ka comprendre ni comprendre ni. Et c'est bien entendu bon, il pas ton vraiment un problème. Bon, écoutez, vous savez, de toute évidence c'est comme ça. Eh bien, mes chers amis, et marquez bien nous trop. Gonti note m'te écrit pour me terminer, gonti note m'va li pour nous. Son ti note m'te écrit pour Claude. M'a appelé li et m'connais nous ka apprécier li parce que ça c'était pensé par monsieur le monsieur t'ai fait et note ça date de 2019. M'te écrit note ça pour monsieur parce que m'te senti déçu, m'te senti monsieur t'ai bon mon mauvais coup dans bataille nous t'a mené. Et l'aime d'a exprimé et l'aime d'a exprimé même sur Facebook par rapport avec monsieur parce que son petit m'était toujours à suivre dans sens comme si comme la fait il faut l'école dans question éducation on prend surtout sur le plan académique m'était toujours à dire monsieur bon courage parce que monsieur son nèg qui était prend question l'école il très au sérieux même t'ai vinn ouais m'était vinn rendre moi compte petit à petit que monsieur était gon l'autre problème qui beaucoup plus grave que problème académique là bon m'était dit bon écoutez m'essayer raisonner avec le type mais il pas ca prendre je ne jodi il pas prendre compte que c'est ça n'ta pas éviter le honte ça jodi hein comme monsieur des gros problèmes de jugement il pas trop loin n'ta pas essayer pour moi si m'te ca éviter le tomber dans cinéma ça dans malpropreté ça le fouiller tête li a bon malheureusement monsieur pas prêter mes oreilles tout m'te décider prendre écart moi parce que m'te dit monsieur non et faut monsieur gain courage pour le dire Lavoisier ou gain raison oui les ont proposé un premier job et Argentine comme ambassadeur en Argentine non premier nèg ou te relé ou te dit ça c'était Lavoisier ça Lavoisier te dit ah Claude pas fouer tête ou dans mal propre ça non faut gain courage pour dire ça Claude on comme pas ka croire qu'on gain courage pour ça. Votre faut bien courage au moins pour dire ça. Eh bien mes chers amis, m'ai écrit une petite lettre, une petite note par monsieur que m'a partagé avec nous. Il était prendre du temps pour me écrire une note ça parce que m'était vraiment touché et m'était obligé écrire note là même l'aime intelligent pas trop indulgent dans note là même m'était obligé écrire note là. M'a pris l'autre là pour nous, ça c'est une note pam que m'était écrit à monsieur le 2 octobre 2019. Il y a un an de cela. Il était écrit. Il y a 2 ans. 2 octobre 2019. Les sous-pages, moi, nous cajonnons. Titre li, une pensée pour toi, Claude, docteur Claude Joseph. Bon, les bon petit côté sarcastique là-dedans, l'aime dit docteur Claude Joseph là. Son petit côté sarcastique. So, pas pour bagaille. On rentre, so. Il dit aujourd'hui te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Ta plume morte, sans âme et conscience, aurait résonné fort dans la lutte du peuple haïtien. Je poursuis pour dire ton doctorat aurait servi une cause noble et juste, mais malheureusement tourmenté péniblement par la manie de faire de l'esprit. Agité durement par une ambition démesurée, tu as sacrifié ton honneur au plaisir de faire commerce avec le mal piquant qu'est le régime PHTK. Jusqu'à ne pas craindre de paraître déréglé aux yeux de tes admirateurs. Et que tu as préféré mieux d'être le paillasse de la corruption que d'en être le dénonciateur. Quand tu as fait me dire mes passages ça, tu feras ça. Elle me dit, monsieur, tu as préféré d'être le paillasse de la corruption. Je dis à monsieur, tout n'est paillasse, corruption vraie. Parce que même Jojo Loquet a jappé sous monsieur. Même Jojo Loquet a traité monsieur de remblai. Même Jojo Loquet a traité monsieur de patate. Mais en 2019, vous m'avez écrit lettre là, m'écrit monsieur petite note là pour m'attirer l'attention du type là, sur la nécessité pour faire demi-tour dans chemin que la prend parce que me senti que chemin pas bon.
Nous dit ou t'as supposé dénonciateur régime nan. Et puis nous dit monsieur, quelle honte de ta chute aujourd'hui, même la poussière de la terre d'un refus indigné te témoigne. À l'homme est perdu de sens et d'espoir répondre le silence du monde et sa déraison. Tu étais trop mou de ta conduite. Tu n'as pas su garder tes vertèbres à la verticale. L'heure n'est pas si mauvaise pour un mollusque de profiter d'un miracle métamorphosé. Renonce à la bassesse d'esprit, homme répréhensible, pour à nouveau bénéficier avantageusement des bienfaits de ton doctorat que t'as infligé le malheureux sort de passer des heures à réchauffer tes précieuses fesses à une table et un laptop dans les docking de notes et la bibliothèque de Grand Ami Plaza. Monsieur Sénat qui te contre travail du vrai dans Grand Ami Plaza. Dis-moi, même derrière le volant de taxi en terre étrangère, épuisé jusqu'au dernier sueur, une centime de plus gagnée impose à mes vertèbres de se tenir à la verticale, contrairement à d'autres qui ont voulu enterrer ce côté dur, féroce et parfois humiliant de leur vie. Même avec mon diplôme, je préférais mille fois encore de m'asseoir par terre pour vendre des légumes au marché de la Croix des Beaux-Salles, plutôt que de me voir associé à ces corrompus du PHTK qui sont autant de niabouriques. Jodi, on t'a traité régime PHTK de niabouriques, de pièges à courrier excité. On t'a traité régime PHTK. Mes amis, comment nous t'apprenons? Nous t'a traité plus mal que Claude. Pour jodi, on t'a traité régime PHTK de niabouriques, de pièges à courrier excité. Dilapide en plus de 4 milliards de dollars. Nous dit c'est crocodile rose. M'a poursuivi, m'a parlé à monsieur, à conscience monsieur. Nous dit c'est crocodile rose. On défiait la justice de mon pays. Et chez eux, la corruption abrite de la douleur et de la déchéance morale. Nous dit à mon peuple dans sa lutte et à la jeunesse, justice, défaut fait. Mais de ma plume et de mes lives Facebook, sa défense, j'assume. Et j'assure. À la jeunesse de mon pays, j'exhorte à cultiver la raison et l'esprit critique. S'étendre à une plus grande perfection. C'est former une société des esprits avec les autres hommes en dépassant à la fois la particularité des moments et des lieux. Je dis, comment donc pourrais-je vouloir à la vérité et la justice lorsqu'on détraque à ce point toutes les vertus légendaires, la clarté de mon intelligence et la solidité de ma raison? Me dit mon ami, d'acier, moi chérisé la voix, j'ai été conçu. Tes petits amis flatteurs et dépravés, surtout nous avisés, car leurs esprits adoucis par les miettes de pain qu'ils croyaient tomber de ta table, pensaient que l'acceptation du poste de ministre au ministère des Affaires étrangères était dictée par le civisme. Et qu'elle est sentie, qu'elle a même quelque sens. Eh bien, ils se sont grandement trompés par défaut de pouvoir discerner les signes du temps. J'ai dit, écoutez et détrompez-vous, faux amis de merde. Ce vain étalage d'érudition dont ils se raffolaient n'était qu'en réalité que du persiflage aussi amer qu'indécent. Dis-je, aujourd'hui encore, la raison et le bon sens à ta porte frappe, t'évite à abandonner cet esprit de commérage d'idiot et malsain qui t'a voulu le statut de ministre raté à la noix. N'y cherche donc la bonne compagnie des hommes qui ont été polis par l'éducation et la culture des sciences de l'homme dans lesquelles on inculte la morale et les lois de l'honneur. N'y dit, monsieur, ne sois pas incrédule, mon ami. N'insiste pas dans l'entêtement au point de ressembler à une truie lavée qui s'est vaudrée dans le bourbier. Je te dis, monsieur, ça, parce que je connais monsieur, qui a écrit saleté sur le régime PHTK. Je dis, mais plutôt, apprends donc à te dégrossir l'esprit par l'acquisition des sciences de la morale et de l'éthique. Parce que je te fais un constat là, car monsieur, je dis, ouais, monsieur,
gain au niveau académique intellectuel très technique, monsieur son technocrate, mais monsieur pas gain aucune acquisition en matière de sciences morales et de sciences de l'éthique. On dit mais plutôt apprendre à te dégoussir l'esprit, grossir l'esprit par l'acquisition des sciences de la morale et de l'éthique qui étendent la sphère de l'intelligence et à le polir du moins par la fréquentation des gens intègres et droits. L'anoblir et l'anoblir par des lectures qui visent à forger le caractère de l'homme fait et accompli, à le former aux lois de l'honneur, la dignité et de la morale des convenances sociales, comme beaucoup l'ont fait, quoique pauvre, modeste, humble et dépourvu de doctorat ou de master, car il te faudrait rester imbibé d'insouciance en permanence pour ne jamais revenir à la réalité. Et enfin, je termine pour dire, ne t'obstine pas à faire la guerre à la raison, mon frère, et au bon sens, par souci d'orgueil. Mais plutôt, soumets ton esprit à l'appréciation des valeurs morales les plus nobles qui procureront la joie à ton âme affligée. Car sache au moins qu'il te sera difficile de réjamber contre les aiguillons. Lève-toi, je lui ai dit, donc prends ton lit et marche encore, car miséricorde à toi a été faite. Mes chers amis, c'est lettre que j'ai écrite à monsieur le 2 octobre 2019. Et pensez-moi, bah, monsieur, avant que je coupe l'ombre à monsieur. Je vais monsieur une dernière chance pour te ressaisir avant qu'il t'aille tomber dans malpropre, ça. Avant qu'il t'aille tomber dans ni à bout, ça. Dans le couillon, dans le couillon excité, ça, qui c'est PHTK. Eh bien, mes chers amis, je dis, hein, regardez comment il a humilié monsieur. Je l'ai qui a traité monsieur de pas. Monsieur Jojo Loquet, bras droit Michel Matéli, a traité un jeune garçon qui a un doctorat dans men. A traité monsieur de Ramblay. De Ramblay. Est-ce que c'est modèle garçon ça nous besoin? Nous-mêmes, bat bravo pour la jeunesse. Si monsieur Sao, nous connaissons journée aujourd'hui que nous pas qu'à fouiller tête nous n'importe côté. Parce que classe politique ça, traditionnelle, a un seul objectif, un seul plan pour jeunesse là. Détruire. Corrompu, crasé. Voici jeunesse à pas prendre destin en main. Classe politique traditionnelle là. Yo pas wè nous l'autre gens. Celle petite yo madame yo connaît avec bousin à côté. Mais ou même qui jeune garçon, yo pas prend pour on med. Yo doué dans la rue à bouler caoutchouc pour ou. Yo pas wè gen droit à l'école. Yo pas wè, c'est tête yo seulement yo connaît. Ce sont des égoïstes chevronnés. Yo pas prend nous pour merde. Voici nous même jodi en là. Non, pas de bravo pour la jeunesse. Nous pas rassembler nous. Nous pas rejoindre force nous ensemble. Pour nous avoir une réponse avec société dépravée ça. Pour société corrompue ça. Société sale ça. Que nous avons lagué dans la fille de nous la journée aujourd'hui. Eh bien, nous condamner. Pour ne pas jamais. Désolé une fois de plus du fait que nous pas fait travail que nous avons supposé faire aujourd'hui. Normalement, nous avons supposé faire un exposé, bien entendu, sur question mandat et souveraineté. Et mandez-nous pour nous pardonner moi de écart ça parce que m'étais obligé bien entendu pour m'étais fait ça me fait là parce que c'est ça qui prend à cœur pour m'étais touché m'inviter nous saluer nous toutes nous saluer toutes amis toutes camarades toutes support monsieur Bat Bravo yo Marvin et Jean-Frédéric Wilgenski juste à Paris monsieur Paris ti monsieur Créteil yo 94 représente nous saluer nous ti monsieur Saint-Denis yo 95 nous saluer nous toutes. Et saluez-nous, et quel que soit côté, y'a-t-il monsieur Canada, ou t'il monsieur Haïti, 19 départements, quel que soit, y'a-t-il monsieur Chili, saluez-nous. Passez une très bonne après-midi, un très bon après-midi, dans nos bon Dieu, et m'espérez nous revoir encore pour l'autre fois. Que bon Dieu bénisse nous. Passez bonne soirée, bon après-midi. Bye.